Deuxième volume. Ce That's why today we'll go into our second volume. Si tu n'étais pas venu le dimanche, if you did not come last Sunday, ce serait difficile pour que tu comprennes. It might be hard for you to understand today's. Mais je crois que vous connaîtrez la vérité. But I believe that you will know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth will set you free. Nous avons lié ça avec les sept visions que Dieu donna à Frère Branham. And we linked it with the seven visions that God gave Brother Branham. Alors ce matin, entrons un peu trop profond encore. Therefore, this morning we will go a bit more deeper. Un frère m'a demandé, a brother asked me, des choses très difficiles et profondes comme ça. Deep and difficult things like this. Est-ce que si les gens ne comprennent pas ça, if people do not understand it, est-ce qu'ils seront prêts pour l'enlèvement? Will they be ready for the rapture? Ma réponse est non. My answer was no. Si tu vois que tu ne saisis pas ces choses, if you really see that these things that I'm preaching, you do not understand them, c'est que tu n'es pas prédestiné pour l'enlèvement. That shows that you're not predestinated for the rapture. Parce que Daniel avait dit que les sages comprendront. Because Daniel said that the wise will understand. Et je prie que vous puissiez les comprendre. And I pray that you may understand it. Dites amen. Say amen. Un grand amen. A big amen. Alors, levons-nous. Now let's stand. Et je salue mon auditoire invisible. And I'm greeting my invisible auditorium. Qui me suit en ligne, que Dieu vous bénisse en ligne là-bas. That are watching me online live. May God bless you right there where you are. Et que ceci soit une bénédiction pour chacun de nous. And may this be a blessing to each and every one of us. Deuxième volume de notre enseignement. The second volume of our teaching. Sur la issue dans la prophétie concerning Russia in the prophecy, et le chemin vers la troisième guerre mondiale. And the way toward the third world war. Apocalypse chapitre 16. Revelation chapter 16. Nous lisons le verset 12. We shall read the verse 12. Jusqu'au verset 16. Up until 16. Nous avons vu qu'Apocalypse c'est un livre de symboles. And we saw that the book of Revelation is a book of symbols. Apocalypse 16. Revelation 16. 12 à 16. 12 to 16. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Revelation 16 from verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of the devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of the God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in Hebrew tongue Armageddon.
Prions. Let us pray. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Lord Jesus Christ, our God. Encore une fois, ce matin, Père. Once again, Father, this morning. Nous venons de lire ces écritures sacrées de ta Bible. We are from reading this sacred. Aucun homme n'a droit de donner l'interprétation et la vie à cela. Nobody can give interpretation and life. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Take us out of the way. Que l'omnipotence descende. Let the omnipotence par une onction spéciale, Père, by a special anointing, brise le pain de vie pour nous. Break the bread of life. Parle à ton peuple. Speak to your people. Ouvre leur entendement spirituel. Open the spiritual understanding. Et que nous soyons préparés pour cet enlèvement qui est imminent. And may we get ourselves ready for. Bénis cette parole, Seigneur. Bless this word. Bénis chaque frère et soeur qui est venu ce bless matin. Each brother, sister, bénis cet enseignement dans ce deuxième volume. Bless this teaching in this. Bénis ceux qui le suivent en direct, Père. Bless those are following dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus mighty name. C'est ça notre prière. This is our prayer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez-vous. Glory to God, you may be seated. Deuxième volume de notre enseignement. Our second volume of the teaching. Sur la réussite dans la prophétie. On Russia in the prophecy. Et dans notre sujet. And our topic. Le chemin vers la troisième guerre mondiale. The way toward the third world war. Nous avons vu que le mystère ici. And we saw that the mystery here. Quand l'ange déverse la sixième coupe, when the angel pours out the sixth cup of wine, le fleuve Euphrate tarit. The river Euphrates dries up. Qui peut dire amen? And who can say amen? Et le fleuve Euphrate tarit. And the river Euphrates dried up. Comme nous venons de le lire, as we have read, pour que le chemin soit ouvert, so that the way may be open, que les rois de l'Orient, that the king of the east. Vous remarquerez que la Bible dit les rois de l'Orient. Now, if you notice, the Bible says the kings of the east puissent avoir le chemin vers l'Armageddon. Might have a way toward the Armageddon. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais quand nous avons lu Frère Branham avec vous le dimanche passé, when we read Brother Branham with you last Sunday, lui dit les rois du nord. He says the king of the north. Et la Bible dit les rois de l'Orient. Now the Bible says the king of the east. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Now there are no contradiction here. Parce que les rois de l'Orient, because the king of the east, c'est une coalition qui va aller avec la Russie. It's a coalition that will go with Russia. Ce serait beaucoup de pays de l'Orient, la Syrie. Many countries of the east, Syria. Tous ces pays-là. All those countries. Mais à leur tête, but at the head, ce serait le roi du nord. It will be the king of the north. Ils vont traverser pour le combat d'Armageddon. They will cross over for the Armageddon war. Qui est la troisième guerre mondiale. Which is the third world war. Qui mettra fin à l'histoire de ce monde. That will put an end to the story of this world. Qui est aussi la septième vision qu'on a vue. Which is also the seventh vision that we saw. Que Dieu donna à William Branham en 1933. That God gave to William Branham in 1933. Que je me suis retourné. That I turned back. Je n'ai vu que décombres, cratères. I only saw ashes. Sur tout le territoire américain. In all the territory of in America. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Mais avant que ces bombes-là de la Russie détruisent le monde. But before the bomb of Russia destroyed the world. Une épouse doit être enlevée pour aller au souper de noces. A bride must be cut up to go into the wedding supper. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Il y aura un enlèvement. There shall be a rupture. Avant que cette guerre-là d'Armageddon aille lieu. Before that war of Armageddon takes place. Et nous avons étudié avec vous profondément. And we studied with you deeply. Que la Bible dit que quand cette sixième coupe est déversée. The Bible says when the sixth cup is poured out. Un esprit impie. An impure spirit. Semblable à des grenouilles. Like frogs. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Sort pour aller faire des miracles dans le monde. Goes out to perform miracles around the world. Pour séduire les gens. To deceive people. Afin de les rassembler. So that he may gather them. Pour le combat d'Armageddon. For the war of Armageddon. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Remarquez que nous avons vu Frère Branham les trois esprits impurs là. Now notice, we saw with you that Brother Branham was saying that those three impure spirits, du point de vue politique, in the political aspect, c'était view, le fascisme. It was fascism. Dites amen. Say amen. Qui était fait par Mussolini. Which was brought up by Mussolini. C'était le nazisme. It was nazism. Qui était faite par Hitler, which was made by Hitler et qui amena le monde à la deuxième guerre mondiale, and that brought the world into the third world war, qui est le deuxième malheur d'Apocalypse, which is the second war of Revelation,
Et nous avons vu que l'autre esprit, c'est le communisme. And we saw the other spirit being communism, qui était fait par Staline. Which was brought up by Stalin. Mais la voix avait dit au prophète. Now the voice said to the prophet. Le communisme va avaler le nazisme et le fascisme. Communism will swallow up Nazism and fascism. Exactement comme le serpent de Moïse. Exactly like the serpent of Moses. Avait avalé les deux serpents de Jannès et Jambres. Swallowed up the two serpents of Jannès and Jambres. Le communisme a vaincu Hitler. Communism overcame Hitler. Il a vaincu Mussolini. It overcame Mussolini. Et il les a avalés. And he swallowed them up. Et le communisme devient un instrument entre les mains de Dieu. And then communism become a tool into God's hand. Avec les bombes qu'ils ont. With the bombs that they have. Qui bombarderont le Vatican. That will explode Vatican. Et les États-Unis. And the United et States. Et ce serait la destruction de la terre. And it will be the destruction of the whole world. Si vous êtes là, dites un grand amen. If you are here, say big amen. Mais avant que les bombes la tombent. But now, before the bomb falls, une épouse sera enlevée. There is a bride that will be caught up. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est pourquoi nous sommes ici pour recevoir la foi de l'enlèvement. That's why we are here to receive the rupturing faith. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Et nous avons vu que du point de vue politique. Now, in a political aspect, ces trois esprits en forme de crapaud. We saw that those three spirits in the form of frogs. Saisissez ça très bien. Now you need to understand this. Apocalypse est un livre de symboles. Revelation is a book of symbols. Quand on dit crapaud là, c'est un symbole. When we speak about a frog there, le crapaud c'est un animal quand il marche. Now you'll notice that a frog, it is an animal when it walks. Au lieu de regarder devant, instead of it to look forward, lui regarde derrière. It looks backwards. Ce sont des religieux. These are type of religious. Qui ne croient pas la promesse accomplie à notre jour. That do not believe in the promised word of our day. Lui regarde toujours dans le passé. They always look at the past. Et la première esprit là était le judaïsme. And that first spirit was the Judaism spirit. C'est quand Jésus vint. That's why when Jesus came. Lui le Messie de l'âge. He the Messiah of the age. Le Messie que tous les pères attendaient. The Messiah that all the fathers were waiting l'esprit for. L'esprit là de crapaud a saisi les pharisiens. That spirit of frog got Pharisees. Il regardait toujours derrière. Pharisees were always looking at the back. Nous connaissons Abraham. They said, we know Abraham. Nous croyons à Moïse. We believe in Moses. Nous croyons à Josué. We believe in Joshua. Mais toi le Messie qui es-tu? But they asked Jesus, who are you? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il croyait aux choses derrière. They were believing in the things in the past. Il ne croyait pas à Jésus au temps présent. But they never believed in Jesus in the present. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. That's why they crucified Jesus. Et c'est le même esprit des catholiques. Now, that's the same Catholic spirit. Cette Trinité la regarde à ce qui s'est fait à Nicée en 325. That Trinity that brought back what happened in 325. C'est le même esprit des protestants. It's the same spirit of Protestants. Et leurs filles, les pentecôtistes et tout. And their daughters, the Pentecostals and all. Selon of them, la Bible, according to the Bible, ils vont vous appeler à faire des miracles. They will call you to perform miracles. Ils feront réellement des miracles. Yes. They will perform miracles. Si vous les croyez, dites amen. If you believe this, say amen. Que ces esprits-là feront des miracles. The Bible says those spirits will perform miracles. Mais leur problème, but their problem, ils ne croient pas à la parole accomplie aujourd'hui. They do not believe the word that has been fulfilled today. C'est pourquoi l'esprit là est partout ici. That's why the spirit is all over. Dieu a promis dans ces jours. God had promised in this day. Qu'il y aura un message qui va venir. That there shall be a message that will come. Il y aura un messager qui viendra. There will be a messenger that will come. Il y aura les promesses accomplies dans Luc 17:30. There will be fulfilled promise according to Luke 17:30. Voici, je vous enverrai le prophète. And then it says, behold, I will send you Elijah the prophet. Ce serait l'accomplissement de Malachi 4. It will be fulfillment of Malachi chapter 4. Un grand prophète viendra à l'épouse. A great prophet will come to the bride. Il sera oint de l'esprit d'Élie. He will be anointed with the spirit of Elijah. Il sera confirmé par la colonne de feu. He will be anointed and confirmed with the pillar of fire. Oh, si vous le croyez, dites amen. If you believe this, say amen. Pas seulement ça. Not just that. Quand le monde sera comme Sodome et Gomorrhe. When the world will be the condition of Sodom and Gomorrah. L'homosexualité partout. You will see homosexuality all over. Les lesbiennes partout. You will see lesbians around. Les pédés partout. You will see gays around. Jésus a promis dans Luc 17:30. Jesus promised in Luke 17:30.
reality. Que Elohim viendra dans la chair humaine. That Elohim will come in a human flesh. Dieu va nous visiter. God will visit us. Dieu dans la chair humaine. God in a human flesh. La plénitude de la divinité. The fullness of the Godhead. Ce sera incarné dans un homme. Will be incarnated in a man. Voyez-vous, ces promesses sont accomplies aujourd'hui. You see, those promises came to pass today. William Branham est élu le prophète qui devait venir. William Branham is elected a prophet that had to come. Est-ce qu'il y a des croyants? Do we have believers here? Dieu l'a confirmé avec la colonne de feu. God vindicated and confirmed him with the pillar of fire. Il a manifesté le Fils de l'homme. And he came and manifested the Son of Man. L'épouse a reçu le dernier signe. And the bride received the last sign. Mais regardez aujourd'hui. But now look today. Les gens vont dire. People are saying. Je crois Moïse. I believe Moses. Je crois Élie. I believe Elijah. Je crois Jésus à la croix. I believe Jesus in the cross. Mais je ne crois pas au messager. But they do not believe the messenger. Pourquoi ils ne croient pas? Why don't they believe William Branham? Ils ont l'esprit des crapauds. Because they have got frog spirit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Ils regardent en arrière. They are looking backward. Ce que Dieu a fait. What God did. Mais ils ne voient pas. But they do not see. Ce que Dieu fait aujourd'hui. What God is doing today. Le salut dans chaque âge. Salvation in all age. C'est de croire ce que Dieu fait à ton temps. Is to believe what God is doing in your time. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Nous sommes un peuple béni. We are a blessed people. Parce que l'épouse n'aura pas l'esprit de crapaud. Because the bride will not have a frog spirit. Mais l'épouse lui croit la parole de son jour. But the bride believes the word of his day. Et il regarde devant. And he looks forward. Il se prépare pour l'enlèvement. And makes himself ready for the rapture. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Et nous avons vu pour comprendre ça. And we saw again for dans you to notre understand. Enseignement comment le monde est en train d'aller petit à petit à la fin du monde. And we saw how the world is going step by step toward the end of the world. Pour comprendre cet effet là, to understand this end, nous lions l'Apocalypse 16, we connected Revelation 16, qui équivaut à amener le combat d'Armageddon, which will bring the war of Armageddon, avec la vision de la statue de Daniel, with the vision of the statue of Daniel. Remarquez, ne manquez pas ça. Now, don't you miss this part. Au temps de Daniel, in the time of Daniel, Daniel le roi Nabucodonosor, projetez-moi ça. Now project that for me. Now, Daniel, a vu un songe. In the time of King Nebuchadnezzar, the King Nebuchadnezzar saw a dream. Et dans ce songe-là, and in that dream, est-ce que vous êtes là? Are you with me? Le roi a vu, the king saw, la vision de la statue. He saw a vision of a statue. Le roi a vu une statue apparaître. Now that king saw a statue appearing. Vous pouvez le lire dans Daniel 2, le verset 31 à 45. You can read it in the Bible in the book of Daniel, chapter 2, verse 31 to 45. Et Daniel 7, de 1 à 8. And you can also read it in Daniel 7, 1 to 8. Parce que c'est la même vision. Because it's the same vision. Oh, dites amen. Say amen. Ici, c'est un symbole de la statue. Now the first one, it's in a form or symbol of a statue. Et Daniel a vu la même vision dans les symboles des animaux. And Daniel saw the same vision now in the symbols of animals. C'est la même chose. It is the same thing. C'est le même mystère. It's the same mystery. Le roi a vu, the king saw, une statue qui avait la tête d'or. A statue that had a golden head. Dites amen si vous comprenez. Say amen if you understand. Et le corps, la buste a été en argent. And the chest was in silver. La tête d'or. The golden head. La buste en argent. The chest silver. Et il a vu le corps ici. And he saw the body. Le ventre en airain. From belly to it was like clay. Et il a vu là les deux pieds en fer. And he saw the feet with metals. Et au pied de la statue à la fin. And in the feet at the end. Il a vu le fer mélangé avec l'argile. And he saw iron mixed with clay. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est dans Daniel chapitre 7. It's in Daniel chapter 7. Et quand il a vu ça, and when he saw that, il a vu une pierre. He saw now a stone descendant d'une montagne. That was descending from a mountain. Sans le secours d'aucune main. Without a helping hand. La pierre là est descendue non pas à la tête. Now that stone, when it descended, it did not descend on the head. Mais ça a frappé la statue sur dans les pieds en argile et le fer. But
it struck on the feet where there was a mixture of the iron and the clay. Et ça détruit toute la statue. And it destroyed the entire statue. Et il a vu la pierre là commencer à grandir. And now he saw that stone growing. Et cela est devenu un royaume éternel. And that stone became an everlasting kingdom. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et il a vu la même vision. And he saw the same vision. Dans Daniel 7, in Daniel 7, il a vu un premier un animal apparaître qui est un lion. He saw a first animal that appeared that was a lion. Et après lui est apparu l'ours. And after him appeared a bear. Après l'ours est apparu le léopard. And after a bear came a leopard. Après le léopard, il a vu un monstre. After a leopard, he saw a monster. Et au temps de ces monstres-là, and the head of that monster, Daniel a vu un homme descendre comme le fils de l'homme. In the time of that monster, he saw a man descending like a son of man. Avec des cheveux blancs, with white hair, avec un livre ouvert, with an open book. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Il est venu là détruire ces animaux. Now they came to destroy the animals. Et il a établi un royaume éternel. And he established an everlasting kingdom. Et le roi voulait savoir l'explication de cette vision. And the king now sought for explanation of that vision. Daniel a vu le début et la fin. Now Daniel there, he saw the beginning and the end. De la dispensation des gentils. Of the Gentiles' dispensation. Qui peut dire amen? We can say amen. Voici le début des gentils, nous les nations, et la fin du monde chez nous. Now there is the beginning of the beginning of the nations and the Gentiles for us. Selon ce que Daniel a vu. According to what Daniel saw. Remarquez. Notice. Il a vu au roi que, oh roi. He said to the king, oh king. La tête d'or, c'est toi le royaume babylonien. The golden head, it's you, the Babylonian kingdom. Tu es un royaume puissant. You are a powerful kingdom. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Après toi viendra un autre royaume. After you, there will be coming another kingdom. Qui sera moins puissant que toi? That will be less powerful than you. Ce sera le royaume Medo-Perse. It will be the Medo-Perse's kingdom. Avec Cyrus, Darius, ainsi de suite. With Cyrus and Darius and all. Après, il y aura un troisième royaume. And there will be a third kingdom. Ce sera un royaume de Rhin. It will be the waste one. Ce sera le royaume grec. It will be the Greek. Avec kingdom, Alexandre le Grand. With Alexander the Great. Après viendra un quatrième royaume qui va frapper le monde fortement comme le fer. Afterward, there will be a third one that is a third kingdom that will strike so hard like iron. Lui sera deux pieds de fer. It will be 2 feet of ce iron. Ce sera l'Empire romain. It will be the Roman Empire. Dites amen si vous comprenez. Say amen if you understand. C'est pourquoi il y a eu deux pieds parce qu'il y a l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. That's why there are 2 feet, the East and the West. Empire. Et l'influence de ça continuera dans le monde. And it will continue in the world. Mais quand le monde arrivera aux orteils, but now when the world will reach toward the feet or the toes, il y aura le fer et l'argile. There will be iron and clay. Comme on ne peut pas mélanger le fer et l'argile, as we cannot mix iron and clay, ils voudront se mélanger avec des alliances. They will want to come up with covenant, mais ça ne marchera pas. But it's never going to work. Mais au temps quand le monde arrivera au fer et l'argile, but the time when the world will reach to the iron and clay, la pierre de fait descendra. The capstone will descend. Et ce serait le début de la fin du monde. And it will be the beginning of the end of the world. Et Dieu établira un royaume éternel. And God will establish an everlasting kingdom. Si vous êtes là, dites un grand amen. If you are here, say big amen. Ce serait le même mystère. It shall be the same mystery. Il dit, oh roi. He says, oh king. C'est toi le lion. You are the lion. Tu es puissant, Nabucodonosor. You are powerful, Nabucodonosor. Après toi viendra un autre royaume. After you, there shall come another kingdom. Qui sera représenté par l'ours. That will be represented by the bear. Ce serait le royaume Medo-Perse. It will be the Medo-Perse's kingdom. Après cela viendra un troisième royaume. Afterward, there will be a third kingdom. Le royaume grec. It will be the Greek kingdom. Ce sera représenté par un léopard. It will be represented by the leopard. Après viendra le quatrième royaume. And afterward, there will be a fourth kingdom. Qui sera le royaume romain. Which will be a Roman
kingdom. Lui sera un monstre. He will be a monster. Mais dites amen. Say amen. Mais au temps là, but at that time, le fils de l'homme descendra. The son of man descend. Il écrasera ses royaumes. He shall descend and will smash the kingdom. Et il va établir un royaume éternel. And he will establish an everlasting kingdom. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Dites un grand amen. Say big amen. Remarquez, le royaume babylonien est déjà passé. Notice. The Babylonian kingdom has passed already. Comme le prophète nous a enseigné, like the prophet taught us, la dispensation des gentils, the gentle dispensation, a commencé par un prophète Daniel, began with a prophet called Daniel, et ça va se terminer aussi, and will also finish, par un prophète, by a prophet. Le royaume babylonien est déjà passé. The Babylonian kingdom has passed already. Et vous connaissez que cela a été détruit au temps de Belshazzar. And you know that it was destroyed in the time of the king Belshazzar. Belshazzar qui avait remplacé son père Nabucodonosor. Belshazzar is the one who represents his father. Laissez-moi vous dire ça ce matin aussi. Now allow me to tell you this morning. Et il se réjouissait comme un roi. They were rejoicing like king. Mais un jour, but one day, il est parti plus loin. He went afar. Il faisait sa fête. He was having his own feast. Et comme sa fête ne suffisait pas, and as he felt that his feast was il not a dit good allez enough, me prendre les ustensiles du temple. He said, go take me the tools in the temple. Il a pris les vases du temple. He took the vessel from the temple. Il a mis du vin. And he put wine il in a the commencé cup. À boire. And he started to drink. C'est là où une main a écrit. That's where a hand wrote. Many, many tekel passes. It wrote and said, many, many tekel passes. Et la même nuit là, that very same night, les Médo-Perses les ont détruits. Médo-Perses destroyed them. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Whatever was, whatever shall be. Dieu n'a pas pardonné Belshazzar. God never forgave Belshazzar. Malgré tous ses péchés, despite all mais his quand sins, il est parti prendre les vases, when he went to touch the tools, et jouer avec ça, and play with them, il n'y avait pas le pardon pour there lui. Was no more forgiveness for him. C'est ça arrive au temps de la fin. That's what happened at the end time. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils n'ont plus de pardon devant Dieu. Today, a lot of people do not have forgiveness. Les vases du temple sont les hommes de Dieu. Now, the tools of the temple are actually God's servants. Mais qui peut dire amen? Who can say amen? Faites tout ce que tu peux faire. Do whatever you want to mais do. Quand tu commences à jouer, but when you start playing avec les instruments de Dieu, with God's tools, les hommes que Dieu utilise, men that God uses, surtout dans ces messages, especially in this message, ils n'ont plus de respect envers les vases de Dieu. They do not have to again respect toward the vases of la God. La même main là, that same hand, met la fin de vos vies. Put end to your life. Dieu exige le respect. God requires respect envers ses vases. Toward his vessel. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? C'était leur fin. That was the end. Et ça se terminera de la même manière. And it will end likewise. Et remarquez que now notice. Ce mystère est grand. That mystery is great. Le royaume babylonien est déjà passé. The Babylonian kingdom has passed already. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. C'est lui le léopard, c'est lui le lion. That's the lion. C'est déjà de l'histoire. It's already history. Le royaume Médo-Perse est déjà passé. The Medo-Perse kingdom has passed. C'est lui la bête et l'ours. He is the beast and is the. C'est déjà de l'histoire. It is the bear. It's already history. Le royaume grec est déjà passé. The Greek kingdom has passed already. C'est lui le léopard. He's the leopard. C'est déjà de l'histoire. It's already history. Le royaume romain est venu. The Roman kingdom came. Jusqu'à ce que Jésus est né au temps du Hérode de le royaume romain. But until Jesus was born in the time of Herod, the Roman. C'est même les Romains qui ont crucifié le Seigneur Jésus. It was even the Romans that crucified the Lord Jesus. C'est lui le monstre qui détruit le monde. He is the monster that destroyed the world. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Remarquez que quand nous arrivons au pied, notice, ne manquez pas ça. When we reach the feet, don't miss this part. C'était le fer mélangé avec l'argent. It was iron that was mixed up with clay. C'est l'Empire romain d'Orient. It was the Roman Empire et l'Empire romain d'Occident. And the Roman Empire c'est of the là où il y aura les rideaux de pourpre. That's where there will be the purple curtain. Les rideaux de bambou selon la prophétie. And the bamboo curtain. Et les rideaux de fer. And the iron curtain. C'est là où il y aura le fascisme. That's where there will be fascism. Dites amen. Hein? Say amen. Le communisme et le communism nazisme. Et remarquez, notice, Daniel avait vu que Daniel saw that le fer ne se mélange pas avec l'argile. Iron do not mix up with clay.
Il dit au temps de ces présidents là. He says during the time of that of those presidents. Ils voudront signer les accords de paix. They will want to come up with some agreement of peace. Mais ils ne s'attendront pas. But they will not come to agreement. Comme le fer ne peut pas être mélangé avec l'argent. Because the iron cannot be mixed up with clay. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Le monde était divisé. The world was divided. Avec les pays communistes. With the communist country. Dites un grand amen. Say big amen. Et les pays capitalistes. And the capitalist country. Et leur maître, c'est les États-Unis, le pays capitaliste. And the master or the leader was the United States of America, the capitalist. Et le maître du communisme, c'est la Russie. And the communism master or leader was Russia. C'est pourquoi les États-Unis et la Russie n'auront jamais les accords de paix. That's why Russia and America will never have agreement of peace. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Parce que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Because iron and clay cannot come together. Ces choses arrivent à notre temps. Now, these things happen in our time. C'est pourquoi en 1949. That's why in 1949. Maintenant nous entrons dans la matière de l'épouse. Now we're gonna get deep in the bride. Après la deuxième guerre mondiale qui est le deuxième arrêt d'Apocalypse. After the Second World War, which is the war of the Second World War. L'Amérique et les pays occidentaux ont fait l'OTAN. Now America and all the Western countries they came up with OTAN. Une alliance militaire. And imitate NATO, what they call NATO. Qui peut dire un grand menace? Now who can say big menace? Et le communisme et la Russie. Now communism Russia. Ils ont fait avec le pacte de Varsovie. They came up with an agreement with Varsovie. Une alliance militaire aussi. A military agreement. Et c'était le début de la guerre froide. That was the beginning of the Cold War. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Are you understanding what I'm preaching here? Remarquez. Now notice. Et ils ont continué comme ça. They continued like that. Selon l'alliance d'Apocalypse 13. According to the covenant of Revelation 13. Là où il y aura l'image de la bête. Where there will be the image of the beast. Et personne ne pourra acheter ni vendre. And there it is stated that nobody will be able to buy or sell. S'il n'a pas la marque sur le front. Unless one that has the mark on the forehead. Et sur la main. And on the right hand. Cette marque-là, c'est 666. That mark is 666. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Ce n'est pas un tatouage. That mark of the beast is not a tattoo. Sur la tête, c'est une fausse révélation. When they say the mark on the head. Or the forehead, it's when you have a false revelation. Une fausse compréhension de la parole. A false understanding of the word. Et sur la main. And on the right hand. Des fausses actions de la parole. You are doing false actions of the word. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Remarquez. Now notice. L'image de la bête, c'est le conseil œcuménique des églises. The image of the beast is the ecumenical councils of churches. En 1948 déjà. Now already in 1948. Il y a eu le conseil des églises missionnaires. There was a missionary councils of churches. Et remarquez, ils ont commencé à rassembler les églises ensemble. Now notice. They started to put the church together. Jusqu'à ce qu'on arrive en 1961. Up until we got to 1961. Nous avons vu là que les églises se sont rassemblées. We saw there that churches came together. Dans les conseils écuméniques des églises. In the ecumenical councils of churches. Nous voyons là que beaucoup des églises sont devenues un. We saw there that many churches became one. Les protestants. Protestants. Les méthodistes. Methodists. Les pentecôtistes. Les salutistes, les églises des noirs. And all les églises charismatiques, charismatic churches, les pèlerins de la sainteté, pèlerins of holiness, les adventistes du septième jour, seventh day Adventist, les églises des Indiens, les églises des Noirs, churches of Indians, les ministères, all, les témoins de Jéhovah, Jehovah Witnesses and all tous se sont rassemblés, all of them came together, avec l'islam, and with Islam, avec le judaïsme, with Judaism, et les sectes orientales, and all of them, the il y a aussi des ONG, des ASBL, des conseils des ordres, NGO, councils of order, and all of them. Ils se sont rassemblés, they came together, et nous sommes un, and saying that we are one. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Mais l'épouse ne peut pas entrer dans ça. But you notice, the bride will never get into that. Parce que l'épouse a reçu la compréhension de la parole. Because the bride have got the understanding of the word. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you understand, say big amen. C'est pourquoi en 1959. That's why in 1959. Le monde a dit que nous devons signer les accords de paix. The world came together saying that we need to sign agreement or treaties of peace.
Pour qu'il y ait plus de guerre. So that we don't have war anymore. Comme la première et la deuxième guerre mondiale. As the first and the second world war. Et ils sont partis à l'ONU. And they went to UN. Et remarquez, il y avait cinq pays communistes. And notice, there were five communist countries. Et il y avait cinq pays capitalistes. And there were five capitalist countries. Oh, mes frères et sœurs, la Bible est la vérité. Brothers and sisters, the Bible is the truth. Combien il y a des orteils dans les pieds droits? Now look, how many toes do you have in your right feet? Cinq orteils. There are five toes. Combien il y a des orteils gauche? How many toes are there in the left foot? Cinq orteils. There are five toes. C'était l'accomplissement de la vision de la statue. That is the fulfillment of the vision of the statue. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Les événements modernes, modern events, étaient rendus clairs par la prophétie. Are made clear by prophecy. Mais le monde ne voyait pas ça. But the world could not see. Et arrivé là-bas, and when you get there, tout le monde a dit qu'il y aura les accords de paix. People were celebrating, saying that there will be agreement of peace. Et remarquez dans vos orteils gauche et droite. Now notice in your left toes and your right toes. There are five. Mais il y a deux gros. But you have got two bigger toes. Un gros ici, un gros là-bas. A bigger toe here and another bigger toe. Quel gros orteil capitaliste? Which represents one great capitalist? C'est les États-Unis. It is the United States. C'est le plus grand pays capitaliste. It is the greatest capitalist country. Si vous le croyez, dites amen. If you have believed it, say amen. Quel est le plus gros orteil? Which one is the biggest toe? The communist? C'est la Russie. It is Russia. Même les pasteurs ont prêché. Even pastors were preaching those days. Il y aura la paix. They were saying that there will be peace. Mais il y avait un prophète sur la terre. But there was a prophet on the earth. William Branham est revenu dans la Bible. William Branham came back in the Bible. Il dit selon la Bible. He said, according to the Bible, il n'y aura pas les accords de paix. There will be no agreement of peace. Parce qu'on ne peut pas mélanger le fer avec la résine. Because we cannot mix metal, iron and clay. Et Branham est parti dans la révélation. Brother Branham went in the revelation. Chaque nom a de l'influence. And then he said that each name has got an influence. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Le nom du président américain de ce temps-là. Now, the American president of that time. Qui était dans ces réunions de l'accord. That was in that meeting of the agreement. Son nom était Eisenhower. His name was Eisenhower. Et le nom Eisenhower veut dire fer. Eisenhower mean iron. Oh, que quelqu'un dise amen. Who can say a big amen? Et le nom du président russe. And the Russian president. Son nom était Khrushchev. His name was Khrushchev. Khrushchev veut dire. Khrushchev means. Ça veut dire argile. It means clay. Et ils étaient là. And they were there. Khrushchev est entré dans la réunion. Khrushchev got into the meeting. Avant de signer, before he signed, il a enlevé son soulier. He removed his shoe. Il a frappé sur la table. And he hit on the table. Il dit, il n'y aura pas d'accord de paix. He said there shall never be agreement of peace. Branham dit, gloire à Dieu. But Branham says, glory to God. Le ciel et la terre passeront. Heaven and earth will pass away. Mais la parole de la Bible. But the words of the Bible. Ne passera shall jamais. Never pass away. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Le monde ne connaît pas ces choses. The world don't know these things. Et ils prêchent les crapauds. They are preaching frogs. Ils prêchent les choses des temps anciens. They are preaching past things. Mais l'épouse. But the bride of nous Christ. Nous prêchons les choses au temps présent. We preach things in the present time. Si vous le croyez, dites amen. If you believe the same, Branham a dit que comme cela est ainsi. Now, Branham says, as it is like this. Qu'est-ce que nous attendons? What are we waiting for? L'épouse attend le cinquième royaume. The bride is waiting for the fifth kingdom. La pierre de fête doit descendre. Now, the capstone must descend. Le fils de l'homme va descendre avec le livre ouvert. The son of man shall descend with the open book. Avec le chevet blanc. With white hair. C'est pourquoi Paul avait dans 1 Thessaloniciens 4. That's why Paul said in 1 Thessalonians 4. Ne vous lamentez pas aussi de ceux qui endorment. He says, don't you lament concerning those that are asleep. Car le Seigneur lui-même. For the Lord himself. Pour l'enlèvement descendra du ciel. For the rapture shall descend on earth. Avec les cris. With the shout. La voix et la trompette. With the voice and the trumpet. Le monde pensait quand on était dans les dénominations. Now the world, we thought, when we were in the world, we thought that. Que c'est une promesse à l'avenir. We thought that was a promise in the future. Mais 3 ans après les accords ici. 3 years after this agreement. Le 28 février 1963. On the 28th of February 1963. Au coucher du soleil. At the sunset.
Arizona, in Arizona, une nuée mystérieuse descendit le soir. There was a mysterious cloud that descended in the evening. La Bible dit que Jésus viendra avec les nuées de gloire. The Bible says Jesus will descend with a cloud of glory. Et la science a pris la photo. And scientists took a picture of this. Pendant que le 8 mars à 8 heures, while at the 8th of March at 8, le prophète était sur la montagne. The prophet was on a mountain. Dieu lui avait dit d'aller là-bas. God told him to go there. Je te rencontrerai. And he said, I shall meet you. Pour l'ouverture des sept sceaux. For the opening of the seven seals. Pendant qu'il a levé le cratérant, while he was taking out all sept anges sont venus l'éternité. The seven angels came from eternity. Il a été enlevé. He was caught out. Et il est entré dans cette constellation. And he went into this constellation. La voix lui a dit, retourne à Jeffersonville. And the voice said, go back to Jeffersonville. Les sept sceaux seront ouverts. The seven seals will be opened. L'épouse aura la foi de l'enlèvement. The bride will have the rapturing faith. Et un jour, Dieu lui dit, and one day God told him, tournez la photo à droite. Turn the picture on the right. Ce n'est pas un frère qui a pris cette photo. It is not a brother of this message that took this picture. C'est la science qui l'a prise. Scientists are the one who took this Ils picture. Sont intrigués par cette photo. They were questioned by this picture. Mais quand on tourne ça à droite, but when they turned it on the right, nous voyons le Seigneur Jésus là-haut. We see an image of the Lord Jesus right there. Comment un jeune homme de 33 ans? Now, how can a young man of 33 years old, avec des cheveux noirs, who has got black hair, mais quand il apparaît là-bas, but when he appears, il a la perruque blanche, he appears here with a white wig. Il descend comme étant le juge suprême. He descends like a supreme judge. Et Branham, c'est ça la pierre que Daniel avait vue. But Branham says that is the stone which Daniel saw. Cher Branham, c'est en ligne. Dear Branhamite following me online, et tous les croyants qui m'écoutent, and all believers watching me, nous attendons pas la venue de la pierre de fête. We are not waiting for the coming of the capstone. Depuis le 28 février, since the 28th of February, la pierre de fête est déjà descendue. The capstone has already descended. Et c'est ça le septième sceau. And that is the seventh seal. Le septième sceau, the seventh seal, met fin à tous les systèmes de ce monde. Puts end to all the system of this world. Et ça introduit le millénaire. It introduces the millennium. Un royaume éternel. An everlasting kingdom. La pierre de fête est déjà descendue. The capstone has already descended. Nous sommes entrés dans un autre royaume. We got into another kingdom. Un royaume qui ne se détruira jamais. A kingdom that will never be Soit destroyed. Nous ne sommes pas Sud-Africains. That's why we are not South African. Nous ne sommes pas Zimbabwéens. We are not Zimbabwean. Nous ne sommes pas Congolais. We are not Congolese. Nous sommes dans un autre royaume. We are in another kingdom. Dans ce royaume là, and in that kingdom, ce n'est pas Zuma qui est président. It is not Zuma who is the president. Ce n'est pas Tshisekedi qui est président. It is not Tshisekedi who is the president. Ce n'est pas Mugabe qui est président. It is not Mugabe who is the president. Un royaume éternel. Then it is an everlasting kingdom. Donc c'est Jésus-Christ lui-même. Where it is Jesus Christ himself. Qui est le roi des rois. Who is the king of kings. Qui est le seigneur des seigneurs. He is the lord of lords. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Soit nous on ne combat pas pour nos nations. That's why we don't fight for our nation. Parce que à l'ouverture des sceaux, because at the opening of the seals, toutes les nations du monde, all the nations of the world, tous les systèmes politiques, all the political systems, les systèmes économiques, the economical system, ne marchera plus, will never work. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Tous les systèmes sont détruits. All the world system is destroyed. Il y a un seul système, there is only one system, qui est déjà en nous, which is already in us. C'est le système de la parole. It is the system of the word. C'est le système du Saint-Esprit. It is the system of the Holy Spirit. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe this? C'est quoi nous croyons ici? That's why here we believe. L'enlèvement n'est pas là-bas. That the rapture is not there. Le millénium n'est pas là-bas. The millennium is not over there. L'enlèvement est en moi. The rapture is in us. Le millennium est en moi. The millennium is in me. L'éternité est en moi. Eternity is in me. Tout est en moi. Everything is in me. Mais j'attends seulement. But I am only waiting. Comme une fusée. As a rocket. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Nous ne sommes pas les gens de la terre. We are not people from this world. Nous avons reçu un royaume. We received a kingdom. C'est quoi ce prophète? That's why this prophet est le plus grand. Is the greatest. Depuis Enoch. From Enoch. Jusqu'à nos jours. Up until our days. Pourquoi? Why? Il aura le ministère. Of the ministry. De la pierre de fer. Of the capstone. Le ministère. The ministry. Qui met fin. Which puts an end. À l'histoire de ce monde. To the story of this world. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Et quand la pierre de fête descend, and when the capstone descends, c'est pour écraser le monde. It is to
touch the wall. Mais ça crie. But it shouts. Grâce. Grace. Grâce. Grace. Grâce. Grace. À l'épouse. To the bride. Ça crie grâce. It shouts grace. Grâce. Grace. Au milieu de nos acclamations. In the midst of our acclamations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Can le Seigneur? Somebody applaud the Lord? Oui, mes frères. Yes, my brethren. Nous sommes un peuple gracieux. We are a graceful people. Parce que nous avons reçu. Because we have received. La pierre de fait. The capstone. Je peux dire quelque chose? Can I say something? Il n'y a pas de grâce. There are no grace. En dehors de ce message. Outside of this message. Il n'y a pas de grâce. There is no grace. En dehors du ministère. Outside of the ministry. De la pierre de fait. Of the capstone. Et la grâce est grâce. And grace is grace. À celui qui le reçoit. To the one that receives it. Comme grâce. As grace. Recevez la grâce. Receive your grace. Oui, mes frères. Yes, brethren. Nous sommes déjà. We are already. Gracieux par la pierre de fait. Gracious by the capstone. Merci Seigneur. Thank you Lord. Remarquez. Notice. C'est pourquoi le monde. That's why the world. Ne connaît pas la fin du monde. The world does not know the end of the world. Mais nous nous connaissons. But as we know. Comment les événements vont partir. Amen. We know how the events will be going. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Remarquez que. Now notice. Depuis le président. Since the president American Eisenhower, from the president Eisenhower, qui signifiait fer, which means a iron, qui peut dire amen, who can say amen, et Khrushchev, and Khrushchev, qui signifiait argile, which means clay, depuis Eisenhower, since the time of Eisenhower, qui était le fer dans la vision de Daniel, which was a iron in the time of the vision of Daniel, jusqu'à Biden, up until the current president of America, Biden. Biden, Biden veut dire la main de Dieu. Means the hand of God. C'est pourquoi Branham avait prophétisé sur lui. That's why Brother Branham prophesied over this man. La Bible prophétisait sur Eisenhower. The Bible prophesies on Eisenhower. Qui aura le fer. That there will be iron. Qui ne va pas s'accorder avec l'argile. That will never get along with clay. Le fer iron était représenté par Eisenhower. Was represented by Eisenhower. Dites amen. We can say amen. Dit un grand amen. We can say amen. Et Branham en donnait les visions. And Branham, when he was giving the vision, à la sixième vision qu'on avait étudiée le dimanche passé. Now, in the sixth vision as we saw with you last Sunday. Nous avons eu un président catholique. But what I'm saying is, we had a Catholic president. Qui peut dire un grand amen? We can say a big amen. Nous en aurons. He says, we will have un autre. Another. C'est pourquoi. That's why. Juste après Eisenhower. Right after Eisenhower. Est venu King John Kennedy. John Kennedy. Le premier président catholique. The first Catholic president. De l'histoire des États-Unis. Of the story of America. Tout ça c'est dans la prophétie. All these things are in the prophecy. Depuis que Kennedy est parti. Since Kennedy left. Nous en aurons un autre. The prophet says, we will have another. Mais qui peut dire amen? Who can say amen? En 2020, ici, in 2020, la parole de William Branham est accomplie. The prophecy of William Branham came to pass. Nous avons un deuxième président we catholique. Have a second Catholic president of America. Mais qui peut dire amen? Who can say big amen? Le Branham nous a enseigné. But Brother Branham taught us. Comptez les chiffres. He says, count numbers. Depuis Eisenhower, from the time of Eisenhower, jusqu'à Biden, up until Biden, Biden est le 13e. Biden is the 13th president. Oh, le nombre 13. What is number 13? Dans la mathématique de Dieu. Into God's mathematics. C'est le chiffre des États-Unis. It is the number of the United States. C'est aussi le chiffre de la femme. It is also the number of the woman. Regardez, Biden est le 13e. Now notice, Biden is the 13th. Dans le pays d'Apocalypse 13. In the country of Revelation 13. Parce que les États-Unis ont commencé avec 13 États. Because the United States of America started with 13 states. Ils ont un drapeau à 13 étoiles. They've got a flag which has got 13 stars on them. C'est représenté avec l'aigle tenant 13 flèches. It's represented by an eagle that has got in its feet 13 arrows. Et c'est ce pays-là qui était comme un agneau. And that is the country which used to be like a lamb. Parce qu'ils avaient commencé comme des protestants. Because the American country, the United States began as Protestant. Et il parle comme un dragon. But now the Bible says that it speaks like a dragon. C'est le pays ce qui va imposer, personne ne pourra ni acheter ni vendre. It is this country that will enforce the stating that state that nobody will be able to buy or sell.
qui est là-bas dans Apocalypse 13. Which you find in Revelation 13. C'est là aussi vous êtes spirituel. Now, therefore, when you are spiritual, vous comprendrez pourquoi. You will understand why. La guerre de l'Ukraine. The war of Ukraine. L'Amérique a imposé les sanctions économiques à la Russie. You notice that America imposed this sanction to Russia. La Russie ne peut plus acheter. It says Russia can no longer buy. Il ne peut plus vendre son pétrole. It cannot sell its petrol. Ils ont imposé les sanctions économiques. They sanctioned them economically. Vous vous appelez ça sanctions économiques. You are calling it economical sanctions. Mais la Bible a déjà prédit ça. But the Bible already predicted it. C'est ça, personne ne peut acheter ni vendre. That is the state of saying nobody will be able to buy or sell. S'il ne comprend pas comme eux. If they don't, or that person doesn't understand like them. S'il n'agit pas comme eux. If it doesn't act like them. Oh, je sais que ceux qui sont spirituels saisissent. I know those that are spiritual are understanding this. Quelqu'un peut dire amen à cela. Can somebody say amen to comme that? La Russie ne veut pas comprendre le monde comme eux. Amen. Since Russia doesn't want to understand the world like them. Ne veut pas agir comme eux. Doesn't want to act like them. Ils imposent les sanctions. They impose sanctions. Et ce seraient ces sanctions-là selon la prophétie. And those sanctions will be the one according to the prophecy. Qui amènera plus tard. That will be furthermore. La Russie. Russia. A bombardé les États-Unis. To explode the United States of America. Madame, ainsi dit le Seigneur. Madame says, that says the Lord. La Russie bombardera l'Amérique. Russia will explode America. Et ce serait la fin. And it will be the end of the world. Il est plus tard que nous le pensons. It is so less than we think. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Remarquez que now notice, depuis le président Khrushchev, since the time of the Russian president Khrushchev, qui signifiait argile, which meant clay. Ramenez-moi ce qui signifiait argile. Bring me that which means clay. Jusque à Poutine. Up until the current president Putin. Putin est le huitième. Putin is the eighth. Depuis Khrushchev, from Khrushchev, qui signifiait argile, which means clay, selon la prophétie, according to the prophecy, qui peut dire amen, we can say amen, jusqu'à Putin, up until Putin, Putin est le huitième, Putin is the eighth, Putin veut dire boudeur, Putin means a bluffer, et or son nom veut dire le chemin vert, the way toward, son nom Putin veut dire, his name Putin means le chemin vert. The way toward. Ça veut dire aussi boudeur. And is one also a one who doesn't just take instruction. Et si vous prenez Poutine en anglais, c'est put. And in, when you take his name put Poutine, in, when you take his name in English Poutine, that means to put in. Mettre dans. Putting in. Madame, les noms ont des influences. Voilà, madame, est totale, and says names have got influences. Cet homme, elle, lui, ce qu'il fait là, c'est le chemin. Il amène le monde dans le chemin. Now, you see that this man Putin, he is taking the world into a way toward. Vers l'Armageddon. Toward Armageddon. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Il met le monde dans l'atmosphère. Hallelujah. He is putting the world into the atmosphere de la troisième guerre mondiale. Of the third world war. Poutine, c'est lui le chemin. Putin is the way. Vers l'Armageddon. Toward Armageddon. Apocalypse dit. Revelation says. Quand le frate tarit. When Euphrates dries up. Il y aura le chemin. There will be a way. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels? Am I having spiritual? Vers l'Armageddon. He says, there will be a way toward Armageddon. Et nous voyons un président qui son nom c'est le chemin vert. Glory, glory. Now we see a president here that has got a name that means a way toward. Oh, frère Branham avait dit. Now, brother Branham stated. Le nombre 8. That number 8. C'est le retour au premier. It is the way back toward the first. Mais qui peut dire amen? Souvent lui dit qu'il veut restaurer la gloire de l'URSS. He said that he wants to restore the glory of URSS. Oui, c'est l'éternité. It is eternity. C'est le retour au premier. It is the return or the way back to the first. Il veut ramener la Russie vers la gloire de Khrushchev. He wants to bring Russia back to the glory of Khrushchev. Les événements modernes, modern events, sont rendus clairs, are made clear par la prophétie. By prophecy.
Remarquez, Branham avait dit. Notice what Branham says. Le fascisme. Fascism. Le nazisme. Nazism. Seront engloutis dans le communisme. Will be swallowed up into communism. C'est-à-dire l'esprit qui était dans Hitler. The spirit that was in Hitler. Qui représentait le nazisme. That represented Nazism. L'esprit qui était dans Mussolini. The spirit that was in Mussolini. Qui représentait le fascisme. That represented fascism. Et l'esprit qui était dans la Staline. And the spirit that was in Stalin. Deviendront un. They will all come together and become one. Mais qui peut dire amen? Who can say amen? Cet homme est loin de tous les esprits là. Now, Putin is anointed with all those spirits. L'esprit qui était en Hitler. The spirit that was in Hitler. L'esprit qui était dans Mussolini. The spirit that was in Mussolini. L'esprit qui était dans Mussolini. The spirit that was in Stalin. Et dans Hitler. The spirit that was in Mussolini, Stalin. Ces esprits-là sont entrés en lui. All those spirits came into Putin. Branham dit les hommes meurent. The prophet says that men die. Mais les esprits ne meurent but pas. But spirits don't die. Mais qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Quelqu'un peut dire un grand amen? Can somebody say amen? Quand lui là, when he, il est le chemin vers la troisième guerre mondiale. He is the way toward the third world war. Remarquez encore sur lui. Notice again about him. Pas seulement ça. Not just that. Nous voyons que son nom c'est Poutine. We notice that his name is Putin. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Qui signifie le chemin vers? Which means the way toward. Qui signifie boudeur? Which means someone that is pouting. Qui signifie mettre dans? Which is putting into. Il est exactement ce qu'Apocalypse 16 a dit, le chemin des rois vers l'Orient. Now it is exactly what Revelation 16 says, the way to of the king toward the east. Remarquez. Now notice. Remarquez. Notice. L'URSS a commencé en 1922. URSS began in the year 1922. À Kiev en Ukraine. At Kiev in Ukraine. Or 22, what is 22? C'est la fin. It's the end. Dieu s'appelle 1 et 22. God calls himself 1 and 22. Je suis l'alpha. I'm the alpha. Et l'oméga. And the omega. En grec. In Greek. En hébreu. In Hebrew. Je suis aleph. I am aleph. Et tav. And tav. Or tav c'est le 22e lettre. Yet tau is the 22nd letter. Remarquez, Poutine entre dans KGB à 22 ans. Now, Poutine got into KGB at the age of 22. Il est devenu président en 2000. He became president in 2000. Cette année, il a 22 ans de règne. This year, he is 22 years ruling. Mais qui peut dire amen? Who can say big amen? Il n'y a pas d'hasard chez There Dieu. There is no hazard with God. 22 dans le pré. 22 in Hebrew. Dans l'alphabet que Jésus parlait. That's in the language or the alphabet that Jesus was speaking. C'est Tav. It means Tav. Tav c'est la fin. And Tav is the end. C'est l'oméga. It's omega. Et il n'y a pas d'hasard. And there is no hazard in there. Nous voyons que dans l'année 22. We notice that in the year 22. Il commence une guerre en Ukraine. He starts a war in Ukraine. Il met le monde entier dans l'ébullition. He put the entire world into illusion. Pour les événements de la fin des temps. For the end of the world event. Lui-même, l'URSS a commencé à l'année 22. Himself, the URSS began the year 1922. 1922. 1922. Et lui, il a 22 ans au pouvoir. And himself is 22 years in il power. Il était entré à KGB à 22 he ans. He went to KGB at the age of 22. Et en 2022. And in the year 2022. Voyez comment les 22 le suivent. Can you see how 22 is following him? Et 22, c'est la fin. And 22 is the end. Nous commençons ici les événements de la fin. Here, we are starting events of the end. Pour la troisième guerre mondiale. For the third world war. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. C'est pourquoi vous voyez le symbole de ces militaires dans les camions en Ukraine, c'est Z. That's why you see the symbols are into his military cars. They are actually it's Z. Parce que c'est la fin. Because it's the end. Les événements modernes. Modern events. Sont rendus clairs. I made clear. Par la prophétie. The prophecy. Quand nous voyons lui le chemin vers. Now when we see he the way toward.
vers la troisième guerre mondiale, toward the third world war, Dieu aussi a un chemin vers le ciel. God also has got a way toward heaven. Merci Seigneur. Glory to God. Tu veux prendre quel chemin? Which way do you want to take? Il amène le chemin vers l'Armageddon. He put in. He is taking going to with the way toward the Armageddon. Mais Dieu a le chemin vers le ciel. But God has got a way toward heaven. Jésus a dit dans Jean. Jesus said in the book of John. Je m'en vais au Père. I am going toward the Father. Et on lui a demandé. And they asked him. Montre-nous le chemin. Show us the way. Il dit, je suis says, moi. I am I. Alléluia. Hallelujah. Le chemin. The way. La vérité. The truth. Et la vie. And life. Mais ce chemin-là était caché dans les seaux. But now that way that he spoke of was hidden in the seals. Un jour, Tony Isabel. One day, Tony Isabel. Il voulait le chemin du ciel. He wanted a way to heaven. Il voulait ce chemin du ciel. He wanted this way to heaven. Pour qu'il échappe à l'Armageddon. So that he can escape from the Armageddon. Il cherchait le chemin. Then Isabel was looking for the il way. Il est parti chez l'archibishop. He went to the archbishop. Il dit que je suis archbishop. He says I'm archbishop. Mais le chemin. But the archbishop told him about the way. Je ne connais pas. I don't know the way. Il a vu des pasteurs. He saw many pastors. Ils ont dit nous prêchons. They told him we can preach. Mais le chemin. But when it comes to the way. On ne connaît pas. We don't know the way. Mais la voix lui a dit. But the voice told him. Gloire à Dieu. Glory to God. Va chez cet homme-là. Go to that man. Qui est à la montagne. Who is on the mountain. Et quand il s'est approché. And when he got there. Il a vu frère Branham. He met brother Branham. Il était habillé en jean. And brother Branham was wearing a jean. Il dit que c'est lui qui connaît le chemin. And the voice told him he's the one that knows the way. Et Branham a commencé à lui montrer le chemin. And brother Branham started showing him the way. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something? Laissez-moi vous dire ce matin. Allow me to tell you this morning. Aucun pasteur sur la terre. There is no pastor on earth. Ne connaît le chemin. That knows the way. Pour que les gens sachent le chemin. For people to know the way. Dieu envoie toujours. God always sends. Un seul messager. One messenger. Et c'est lui le seul. And he's the only one. Dites amen. Say amen. C'est lui le seul. It's him alone, the only one. Qui connaît vous montrer le chemin. That can show you the way. Voici, je vous enverrai. He said, behold, I will send you. Élie le prophète. Elijah the prophet. Avant que l'Armageddon arrive. Before Armageddon comes. Il va ramener vos cœurs. He will bring back your heart. Au chemin du ciel. To the way to heaven. Ayant ce ministère de Frère Branham. Having this ministry of Brother Branham. Nous ne perdons jamais courage. We shall never lose courage. Tu vois quand nous venons ici. Because that's why we come here. People don't understand. Pourquoi vous dites Frère Branham dit? Why are you saying what Frère Branham says? Frère Branham says. Frère Branham c'est un homme. Frère Branham is a man. Oui, Moïse aussi c'est un homme. Yes, Moses also was a man. Paul aussi c'est un homme. Paul also is a man. Quand vous lisez la Bible, when you read the Bible, c'est Moïse dit. It's Moses says. Paul dit. Paul says. Daniel dit. Daniel says. Ézéchiel dit. Ézéchiel says. Mais tout ça là, but all those, c'est les crapauds. It's only fraud. Il y a un Moïse aujourd'hui. There is a Moses today. Il y a un Daniel aujourd'hui. There is a Daniel today. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et c'est Moïse là. But the Moses d'aujourd'hui, of today, qui connaît le chemin, that knows the way. C'est William Branham. It is William Branham. Hallelujah. Hallelujah. C'est pour cela. That is why. Quand il est entré au ciel, when he got to heaven, tous les saints crient. All the saints shouted. Notre précieux. Our precious brother. Si tu n'étais pas, if you never came, nous ne serions pas. We wouldn't have been here. C'est à cause de toi. It's because of what? Qu'on a connu le chemin. Because we knew the way. De quitter la terre. Of leaving the earth. Et nous nous retrouvons au ciel. And we found ourselves in heaven. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Il nous a envoyé William that Branham. That sent us William Branham. Pour nous révéler. To reveal unto us. Le chemin du ciel. The way back to heaven. Le message de Branham. The message of Branham. C'est pas seulement les miracles. It's not about miracles only. C'est pas l'argent. It's not about money. Le message. This message. Le chemin is the way vers le ciel. Toward heaven. Combien peut dire amen? How many can say amen? Oui, mes frères. Yes, brethren. Je sais que vous entrerez. I know that you will go in. Et Branham est parti. And Branham went. Moi, je me tiens ici. I stand here. Répétant ce qu'il a dit. Repeating what he says. Ce que je vous enseigne. What I am teaching you. C'est le chemin vers le ciel. Is the way to heaven. Je sais qu'un jour. And one day. Que le diable vienne ou pas. Whether the devil likes it or que not. Que le monde soit avec moi ou pas. Whether the world is with me or not. Un jour quand j'entrerai. One day when I will go in. Quand
quand je commencerai à prendre le chemin, when I start taking the way, je ne sais pas si l'enlèvement tarde. I don't know if the rapture will delay. Quand je quitterai ce corps de chair, when I will leave this body of flesh, quand j'entrerai dans la gloire, when I will get into glory, je crierai, I will shout, que je suis arrivé, that I have arrived. Je verrai Mbombo, I will see Mbombo. Mais mon désir, but my desire, je dirai où est Frère Branham. I will say, where is Brother Branham? Et il va me dire, où est-ce que tu viens? And they will tell me, where are you coming je from? Je verrai ma main. I will lift up my hand. Je dirai, je viens de la I'm coming from South Africa. I am from Africa. J'ai enseigné ton message. I taught your message. Exactement comme exactly tu l'as fait. Like you did. Il dit, je suis les young people. He, I will say, I'm the young people. Et je me tiendrai à ses and côtés. I will stand on his side. Mais tu es venu seul. You say you came alone. Je ne suis pas seul. I will tell him I did not come alone. J'ai un groupe. I've got a group. Qui peut dire amen? Who can say amen? Les autres sont à Djobou. Others are in Djobou. Amen tabernacle. In amen tabernacle. Les autres sont à Kinshasa. Others are in Kinshasa. À Phoenix. Phoenix tabernacle. Les autres sont dans le monde. Others are around the world. Ils suivent mes bandes. They follow my steps. Soyez sûrs. You must be sure. Je vous enseigne la vérité. That I am teaching you the truth. Vous entrerez. You will get in. Même si tu boites. Even if you are crippled. You will get in. Même si tu tombes. Even if you fall. Réveille-toi. You lift up yourself and go. You will get in. Même si tu es mort. Even if you are dead. Nous on ne laisse pas nos gens. We don't just burst. Nous prendrons ton cadavre. You must take your corpse. Nous prendrons ton cadavre. You will take your corpse. Quand tu entreras. When you will get in. Tu seras ramené à la vie. You will brought back to life. Je vous dis la vérité. I am telling you the truth. Je suis en train d'enseigner. I am teaching you la vérité. The truth. Et c'est le chemin du ciel. And it's the way to heaven. Pour chacun de vous. For each one of you. Recevez le chemin. You receive the way. Glory to God. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Mes frères et sœurs. My brothers and sisters. Je n'enseigne pas mes pensées. I am not teaching you my thoughts. Je n'enseigne pas les crapauds. I am not teaching you fraud. Je vous enseigne. But I'm teaching you le chemin. The way. Pour votre ciel. For your heaven. Et ce chemin-là. And that way. Vous donne. Who gives you vos théophanies. Your theophanies. Recevez votre théophanie. Receive your theophanies. Merci Seigneur. Thank you Lord. Quand nous voyons le monde, when we see the world, dans le chemin, in the way, vers la troisième guerre mondiale, toward the third world war, mais nous, but us, nous avons reçu, we have received, le chemin, the way, vers le ciel, toward heaven. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Manquez tout. You can miss and lack everything. Pas le ciel. But don't you miss heaven? Promettez-moi ça, you promise me that if you lift up, ne manquez pas le ciel. Don't you miss heaven? Remarquez. Notice. Positionnement pour l'Armageddon. The positionment for Armageddon. Regardez comment les années se suivent pour arriver à ça. Look how the years are following each other to get to that. 1933. Now, in 1933, la troisième vision de Frère Branham. The third vision of Branham. Dieu lui dit, observez la Russie. God said unto him, watch Russia. Surveillez le roi du nord. Watch the king of the north. Nous surveillons les événements de la Russie. That's how we are observing the events of Russia. L'esprit des crapauds du point de vue politique. The spirit of frog, political aspect of view. Le nazisme. Nazism. Le fascisme. Fascism. Et le communisme. And communism. Sont devenus un. They became one. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Frère Branham, c'est le début de son message. Brother Branham is the beginning of his message. En train de bâtir dans la rivière Ohio. While Brother Branham was baptizing in the Ohio River, à la 17th person, at the 17th person, comme 17, c'est la visitation. As 17 is the visitation. Qui peut dire amen? Who can say amen? La voix lui a dit. The voice said unto him. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste. As I sent John the Baptist. Je t'envoie avec un message. I am sending you with a message. Qui préparera ma seconde venue? That will prepare me for the second coming. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Remarquez, les années ont continué. Now notice the year continues. Arrivé en 1956. When they got to 1956. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? La Pentecôte a commencé aux États-Unis en 1906. Pentecost began in 1906. C'est le début des pentecôtistes. In the United States, that was the beginning of Pentecost. C'est le début de Laodicée. That is the beginning of Laodicea. L'âge de la fin. The end at the age of the 1956. 1956. Laodicée avait 50 ans. Laodicea was 50. Chaque 50 ans, each 50 years, selon Lévitique 25, according to Leviticus 25, Dieu amène le jubilé. God brings the jubilee.
Les sacrificateurs sonnent la trompette. The priest sound the trumpet. Et vous recevez votre jubilé. And you receive your jubilee. Si vous refusez la trompette, when you receive the trumpet, tu étais marqué de la bête. You'll be marked with the beast. Cette année-là, that year, l'Amérique, le monde a été divisé en deux pôles. The world was divided or split into two poles. Pôle Est et pôle Ouest. The East and the West. Les pays capitalistes et l'Ouest. The capitalist country, the West. Et les pays communistes, l'Est. The communist, the East. Et les pays occidentaux and the East ont créé l'OTAN. They created NASA. Une alliance militaire. The military. En 1949. Which is was et 1949. Le communisme, la Russie ont créé par le pacte de Varsovie en 1955. And the communist, the Russia came up with theirs also in called Varsovie in 1955. Le monde est divisé en deux, le groupe de fer et le groupe d'argile. The world has been divided into two. The world where you find there is iron and clay. Le groupe, groups, communistes. Communists et le groupe and the group capitaliste. Capitalists. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Dites un grand amen. Say big amen. Exactement 50 ans. Exactly 50 years. Laodicea a rejeté son opportunité. Laodicea rejected its opportunity. Les États-Unis ont rejeté le message. The United States rejected the message. C'était la fin de l'âge pentecôtiste. That was the end of the Pentecostist age. Leur fin est arrivée en 50 ans. The end. The end arrived in 1956. Ils ont invité Frère Branham. And they invited Brother Branham. Il leur a prêché le jubilé d'Azusa. And he preached unto them the Azusa Jubilee revival. Que c'est fini maintenant pour les pentecôtistes. That it is over for you. Dieu commence l'âge, fait commencer l'âge de l'épouse. God wanted to start now with the bride's age. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Dieu. God, comme Israël, c'est notre montre. As Israel being our clock. Oh, c'est merveilleux. Oh, this marvelous. La même année là, that same year, il y a eu la guerre du canal de Suez. There was a war of the Channel of Suez. Israël a combattu contre l'Égypte. Israel fought against Egypt. Le général Moshe Dayan, the General Moshe Dayan, ils ont récupéré la montagne de Sinaï. They took the mountain of Sinai. Les événements modernes. Modern events sont rendus clairs par la prophétie. I made clear by prophecy. Branham est venu dire à son église. Branham came to tell his church. Dans la prédication de la résurrection de la fille de Jairus, paragraphe 45. In the sermon, the resurrection of the daughter of Jairus. Il dit, vous voyez. He says, you see. Le monde est dans la guerre dans le canal de Suez. The world is in a war in the Channel of Suez. C'est le chemin vers la troisième guerre mondiale. It is the way toward the third world war. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say big amen. Et Israël a pris la montagne de Sinaï. And Israel took the mountain of Sinai. Ils sont revenus dans la montagne où leur prophète Moïse avait reçu les lois. Came back in the mountain where the prophet received the laws. C'était l'année de jubilé. It was the year of jubilee. Si vous le croyez, dites amen. Do you believe it? Say amen. Remarquez, le monde a continué. Notice, the world continued. Jusqu'en 1989. Up until 1989. Le fer et l'argile se battaient toujours. Now, iron and clay were still fighting. Depuis Khrushchev. From the time of Khrushchev. Et Eisenhower. And Eisenhower. Ils se battaient dans ce que le monde appelle la guerre froide. They were fighting in what the world called the Cold War. Mais Branham avait prophétisé. But Branham prophesied. Dans sa prédication, les signes de la semaine du temps de la fin. In the sermon of the end time seed. Il avait dit que. He says. Dans paragraphe 104. In paragraph 104. Il dit que les murs de Berlin tomberont. He says. The wall of Berlin shall collapse. Parce que quand la Russie a gagné l'Allemagne, because when Russia overcame Germany, le communisme a avalé le nazisme, n'oubliez pas ça. The communists swallowed Nazism. Don't you forget that? Ils ont divisé l'Allemagne en deux. They divided or split Germany into two. Une partie c'est pour les Occidentaux. Part from the East. Parce que ce sont les Alliés, l'Amérique et la France qui avaient intervenu. Because it was America and France. Et ils ont pris l'autre partie. And they took the c'est other part. On avait deux Allemagnes. That's why we had two Germans. Si vous l'avez dit, amen. If you are here, say amen. Oh, Wallace. Ils avaient divisé ça par un mur. They divided it. They split it with a wall. L'autre partie c'est les capitalistes. The other part is the capitalist. L'autre c'est le communisme. And the other one is the communism. Mais Branham a dit en 62. But Branham says in 1962, les murs de Berlin tomberont. That the wall of Berlin shall collapse. Quand ça tombera, and when it will collapse, ce serait un signe. It will be a sign. La bête, the beast,
rentrera dans ses anciennes limites, will return in its old limits, comme au temps de Jésus. Like in the time of Jesus. Ne manquez pas sa église. Don't you miss this one, church? C'est quoi avec le président américain, that's with American president, Donald Reagan, et le président russe, and the Russian president, Mikhail Gorbachev. Michael, la guerre froide a pris Gorbachev, fin. The Cold War ended. Et le pacte de Varsovie a été dissout. And the agreement of Varsovie was melted. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? L'alliance militaire du communisme a été les pays là ont quitté. That now the covenant of those country and that and all about that country was dissolved and destroyed. Et ils ont fait les accords avec l'OTAN. And they actually came up with an agreement with. Que maintenant l'OTAN n'approchera pas les pays limitrophes. Now, NATO will not actually come with the limited or the end. L'OTAN ne peut pas approcher les pays limitrophes de la Russie. They will not get to the closer country of which are close to Russia. Or les pays là, il y a l'Ukraine. Now, one of those countries. Parce que l'Ukraine a jamais quitté l'Ukraine. Il y a les Finlandes. Because they are Finland. Et la Suède. And Sweden. Dites un grand man. Say a big man. Ils s'étaient entendus comme they ça. They agreed like that. Comme la guerre froide est finie. As Cold War was mais ended. Vous, l'OTAN, but you now, NATO, vous n'allez pas venir dans les pays qui nous entourent. You will not come all around or anywhere closer to the country that are closer to us. Si vous le croyez, dites un grand man. If you believe this, say amen. Cette guerre à l'Ukraine maintenant. Now the current war that is in Ukraine. Parce que it's because l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Ukraine wants to get into NATO. Et and les Finlandes, Finland, la Suède, Sweden, les pays limitrophes de la Russie, those countries that are close to Russia, qui avaient promis d'être des pays neutres, promised to be neutral countries, et aussi veulent entrer dans l'OTAN. They also want to get into NATO. Dans cette guerre, and in this war, Poutine a raison de se fâcher. Putin is right by getting angry. Parce qu'à la fin de la guerre froide, because at the end of the Cold War, c'était que l'OTAN vous ne viendrait pas à côté de nous. They had agreed that NATO would not come anywhere close to them. Mais les Occidentaux veulent amener l'Ukraine, but they want to bring Ukraine et les Finlandes and Finland dans tout ça là. Into c'est NATO. Pourquoi lui se fâche. That's why Putin gets angry. Il dit je vais démilitariser l'Ukraine. He says I will unarm Ukraine. Et il dit je vais dénazifier. And I will denazify. Toujours contre le nazisme. Still against Nazism. Ceux qui sont spirituels peuvent dire amen à cela. Those who are spiritual can say amen. Mais quand les murs de Berlin tomberont, the prophet says when the wall of Berlin will collapse. Alors, then, l'empire romain, the Roman Empire, la bête, the beast, reviendra. Rome reviendra dans ses anciennes limites qui étaient au temps de Jésus. Will come back in its old limits that were in the time of Jesus. Voici le mur de Berlin qui était construit. Now, that was the wall of Berlin that was built. Branham avait prophétisé sur ça. But Branham prophesied concerning that wall. Que quand vous verrez le mur là tomber, he says, when you will see this wall collapse, sachez que l'empire romain, just know that the Roman Empire, revient dans ses anciennes limites, come back in its old limits, comme au temps de la naissance de Jésus, like in the time of the birth of Jesus, et vous allez là-bas vers la fin, and you will not be going toward the end of the world. Si vous êtes là, dites un grand amen. If you are here, say a big amen. Les événements modernes, modern events, sont rendus clairs, are made clear, par la prophétie, by prophecy. Et quand le mur de Berlin tombe, and when the walls of Berlin collapses, en Allemagne suivait, in German followed, Poutine était là dans l'ambassade. Putin was right there at the embassy. Comme représentant de KGB. As the representative of the KGB. Nous suivons l'histoire pour vous montrer la fin. We're following history to show you the end of the world. Avec les détails de la vision. And we are giving you details of the vision. Et en 1989, and in 1949, l'empire s'est tombé. It has fallen empire. Maintenant, n'oubliez pas, regardez. The Lord is not to forget. La parole nous a enseigné. The word taught us. Depuis Apocalypse. From Revelation. Et Branham nous l'interprète. And Branham interprets it. Que la Rome païenne. The pagan Rome. Est devenue. Became. La Rome papale. The papal Rome. Mais dites un grand amen. Say big amen. C'était cette bête là. That beast. Il avait eu un coup mortel. He had a deadly wound. Mais il est revenu à la vie. But he came back to life. Et le monde entier était là pour l'admirer. And the entire world beheld it at admiration. L'empire romain. The Roman Empire. Avait eu un coup avec les barbares. He had a wound, a deadly wound. Mais
Mais l'Empire romain n'est pas mort. But the Roman Empire never died. Elle est revenue sous forme d'une église. But it came back in the form of a church. Appelée l'Église catholique romaine. Called the Roman Catholic Church. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Cette église glorieuse. This glorious church. Le mariage entre les Romains et le christianisme. Now the wedding between the marriage between Romans and Christianity. A produit cette fausse église. Produced this false church. Et remarquez que. Now notice. En accord avec ça. In line with this. La CEE qui avait commencé, Communauté économique des États de l'Europe, the economical state of Europe that came qui together, était devenue l'Union européenne, which became European Union, l'Union européenne, European Union, la tête de ça, the head of it, c'est l'Église catholique romaine, is the Roman Catholic Church. Je sais pourquoi j'insiste, vous allez comprendre dans la troisième volume. I know why I'm emphasizing on this. You'll understand. Et remarquez la prophétie de Branham. No, prenez la prophecy. Carte. He says, take the map. De l'Empire romain au temps de Jésus, j'ai amené ça. Voilà la carte de l'Empire romain au temps de Jésus. That is the map of the Roman Empire in the time of Jesus. Jésus était né. Jesus was born au temps de l'Empire romain. In the Roman Empire time. Mais dites amen. Say amen. Il est mort. He died au temps de l'Empire romain. In the time of the Roman Empire. Il reviendra aussi. He will also come back au temps de l'Empire romain. In the time of the Roman Empire. Mais cette fois-ci. But this time. Rome là devient une église. That Rome becomes now a church. Est-ce que quelqu'un peut répondre amen? Can somebody say amen? Remarquez aujourd'hui. Now notice today. Ça c'est la carte de l'Empire romain au temps de Jésus. That is the map of the Roman Empire in the time of Jesus. C'est exactement comme Branham avait prophétisé. Exactly how Branham prophesied. Si vous prenez la carte de l'Union européenne. If you take the map of the European Union. Les 27 pays membres de l'Union européenne. The 27 countries that is made of the European Union. C'est exactement la même chose. It's exactly the same. Oh, acclamons le Seigneur pour ça. Let's applaud the Lord for that. La prophétie du prophète est accomplie devant nous. The prophecy of the prophet came to pass toward our side. Et pas seulement ça. And not just that. Le symbole de l'Union européenne, the symbol of the Roman European Union, est la femme assise sur une bête. It is a woman sitting on a beast. Oh, hallelujah. Wallace, Apocalypse 17 nous parle. Revelation 17 speaks to us. D'une femme, amen, of a woman assise sur une bête, sitting on a beast. C'est pourquoi le coin c'est de 20 euros. That's why the coin of the 20 euro. C'est la femme assise sur une bête. It's a woman sitting on a beast. Dites un grand amen. Say a big amen. Ce sont des signes du temps de la fin. These are signs of the end of time. Et ils ont mis cette même femme sur la bête. And they put that same woman on a beast. Devant le Parlement européen. Before the human. The European Parliament. C'est une église, la femme c'est l'église. A woman is a church. C'est une église sur une puissance romaine. It's a woman on a Roman power. Celui qui a de l'intelligence, whoever has got intelligence, comprendra ces choses. Understand these things. Vous connaîtrez la vérité. You will know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth will set you free. Et ce qui est merveilleux, and the thing that is marvelous, ils ont le Parlement européen. They've got. The European Parliament, il s'est composé de 705 députés, which has got 705 députés, et membres, les members, députés héros européens, the European members, et dans leur parlement à Strasbourg. Now, the Parliament in Strasbourg. Est-ce que vous êtes là? Are you with me? Parmi les 705 sièges, all around the 705 seats, la 666e siège, the 666 seats, ils ont laissé ça. It is left empty. La Bible dit dans Apocalypse 13. The Bible says in Revelation 13. Le chiffre de la bête. The number of the beast. C'est 666. It's 666. Celui qui a de l'intelligence. Whosoever has got the knowledge. Pas l'intelligence de l'école. Not the school intelligence. L'intelligence venue de l'éternité. But the intelligence coming from eternity. Calcule. Let that one calculate. Et Branham a vu. And Branham saw. La tiare du pape. On the seat of the pope. C'est écrit Vicarivis Filii Dei. It is written Vicar Vilis Filii Dei. Il a calculé ses 666. And when you
take the Roman numbers out of those, it is actually 666. Et dans l'Union européenne, and in a European Union, ils ont laissé son siège vide. They left his chair, the 666 chair, empty. Et il dit que ça là c'est pour le pape. They said that chair is for the Pope. Quand il sera là, when he'll be there, il y aura plus de problèmes économiques. They will not have economical problems. Quand vous revenez à la prophétie, when we come back to the prophecy, l'Église catholique détient tout l'or du monde. It says the Catholic Church has got all the golden money of the world. Et les Juifs détient l'argent. And the Jewish actually. Selon Daniel, according to Daniel, il y aura une alliance économique. There will be an economical covenant. Et ils aideront les Juifs pour la reconstruction du troisième temple. And they will help the Jewish for the reconstruction of the third of the temple. Et avec les États-Unis, and with the United States, et l'Union européenne, and Europe, ils imposeront. They will impose. Personne ne pourra ni acheter. Nobody will be able to buy nor sell. Ni vendre. Nor sell. Le siège là l'attend. That seat is waiting for him. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Remarquez. Notice. C'est pas fini. It's not yet over. Remarquez que le Parlement européen. Now, notice the European Parliament. Oh, c'est merveilleux. This is marvelous. La construction de leur building. The construction of the building. Ils ont construit, c'est leur siège à Strasbourg. That is the siege at Strasbourg. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ils ont construit ça inachevé ici. They did not achieve or finish it. It's incomplete. Exactement, ils ont reproduit la tour de Babel. They did exactly like the Tower of Babel. Quand Nimrod, when Nimrod avait rassemblé les gens, gathered people, construisons une tour. They said, let us build a tower. Et Dieu a confondu leur langage. And God confused their languages. La tour là est restée inachevée. That tower was not completed. L'Union européenne dit, the European Union also says, nous nous sommes plusieurs langues. We are many languages. Mais nous avons le même langage. But we have the same language. C'est quoi? What is that? Il veut ressusciter. He will resurrect. La tour de Babel. The Tower of Babel. Oh, la tour de Babel, Wallace, the Tower of Babel, c'est une union contre Dieu. It is a union against God. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Les élus ne s'unissent pas autour de la politique. The bride doesn't gather all around politics. That's ni autour de l'économie. Not even all around the economy. Les élus s'unissent autour de la parole. The bride or the elect gathers around the word. Là où sera le corps, where the carcass shall be, là s'assembleront les êtres. That's where the eagle. Notre union, our union, c'est autour de la parole. It's around the word. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est pour nous aussi. That's why us as well. Nous pouvons parler plusieurs langues. We can speak many languages. Mais c'est le même langage. But it's the same language. Tu peux être Zimbabwean. You can be Zimbabwean. Tu peux être Sud-Africain. You can be South African. Tu peux être Congolais. You can be Congolese. Américain. American. Tu parles l'anglais. You speak English. Moi, je parle français. I speak French. Toi, tu parles Zulu. You speak Zulu. L'autre parle Kosa. I want to speak Kosa. L'autre parle Chiluba. I want to speak L'autre Chiluba. Parle Lingala. I want to speak L'autre Lingala. Parle Ndebele. I want to speak Ndebele. Mais il y a une chose. But there is one thing. Nous avons un langage. We have a language. Qui est le message de l'heure. That is the message of the hour. Ce message sera prêché dans toutes les langues. This message will be preached in all languages. C'est là où viendra la fin. That is where the end will come. Le message de Frère Branham. The message of Frère Branham. C'est tout un langage. It's a language on itself. Soit nous avons les sceaux. That's why we've got the things that we say, the seals. Les sept tonnerres. We've got seven thunders. Le troisième pull. We've got the third pool. Les événements modernes. We've got modern events. C'est un langage que tu ne trouveras jamais. That's right. That's a language that you cannot find anywhere else. Chez les Pentecôtistes. In the Pentecôtistes, never. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? C'est quoi, on connaît les croyants du message. That's why we know message believers. Même la manière de nos sœurs de s'habiller. Even the way our sister dresses. C'est un langage. It's a language. Vous les sœurs congolaises. You Congolese sisters. Des mèches. You are putting on hairpins. Et de ceci. And all the funny Branham things. Arrangez vos cheveux comme vous voulez. What a Branham says. Fix your hair the way you want. Mais restez naturel. But stay natural.
La manière de s'habiller, c'est un langage. The way of dressing is a language. Nos sœurs ne portent pas les pantalons. Our sisters don't wear trousers. Ni les mini jupes. They don't put mini skirts. Ils ne mettent pas les rouges à lèvres. They don't put makeup. Parce que c'est l'habillement de Jézabel. Because that is the look of Jezebel. Et Jézabel, c'est elle, Babylone la grande. And Jezebel, that is the great Babylon. Qui peut dire amen? Who can say amen? Sortez de ces choses. Come out of those things. Venez dans l'unité autour de la parole. Come in unity around the word. Voyez-vous les preuves du temps de la fin? You see the proof of the end time? Que nous sommes au temps de la fin. That we are at the end of time. Les événements que la Bible avait dit sont là. The event that the Bible says are here. Mais le monde ne connaît pas. But the world does not know. Allons pour terminer, c'est pour 1991. Let's go ahead. You're about to close that one in 1991. Quand la guerre froide est finie. When the Cold War ended. En 89. In 1989. La Russie a été affaiblie. Russia was weakened. C'était la victoire. It was victory. Des États-Unis. Of the United States. Parce que c'est le pape. Because Paul, of the Pope. Jean-Paul II. John Paul II. Qui était un Polonais. That was a Polish. Né dans un pays communiste. Born c'est lui qui avait travaillé pour mettre fin au communisme. He's the one who worked to put an end to the communism. Alors Bush le père. Then Bush the father. En 1991. In 1991. Il annonce que maintenant. He announces and says now. Nous entrons dans la nouvelle ordre mondial. We are now getting into the new world order. Tout le monde doit écouter. Everyone must hear. Ce que nous disons. What we say. C'est quoi? What is that? Le règne de la bête. The reign of the beasts. Si jusqu'à là vous comprenez, dites amen. Up to here, if you understand, say amen. Alors, la Russie était affaiblie. Was weak. Jusque quand on arrive en 2013. Up until when we reach 2013. Remarquez que c'est 2013. Notice, it's 2013. Il n'y a pas d'hasard. There is no hazard. 50 ans depuis la venue de la pierre de fer. 50 years since the coming of the capstone. L'année de jubilé de l'épouse. The year of jubilee for the bride. Qui peut dire amen? Who can say big amen? Poutine commence à s'élever. Poutine started to rise. Et qui était affaibli? Them that were weak. Poutine dit que Putin also. Je dois ramener la force de l'URSS. I must bring back the strength of URSS. Exactement 50 ans. Exactly 50 years. Dites un grand amen. Say big amen. Depuis l'ouverture des seaux. Since the opening of the seal. Il dit je vais ramener la gloire de la Russie. He says I'll bring back the glory of the Russia. C'est ça sa politique. That is his politics. Il dit je vais ramener la gloire de la Russie. He says I'll bring back the glory of Russia. C'est quoi une année après? That was a year after. 2014. Il fait la guerre. He does a war. Il reprend la Crimée. He takes the country Crimea. Le monde entier a parlé. The whole world spoke. Il s'est en fouté de ça. He didn't care about that. Et nous voyons en 2022 ici. And this is 2022 here. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Il fait la guerre à Donbass. He does a war in Donbass. Il veut récupérer Donbass. You wanna take et it? Il détruit aussi l'Ukraine. And he destroys Ukraine. Pour des raisons que je vous ai données là. For the reason which I have stated on si vous le croyez, dites un grand amen. If you don't believe it, say big amen. Branham a dit que Branham says, la Russie se réveillera. Russia will rise. Remarquez maintenant pour aller terminer. Now notice as I'm going to finish. Combien ont compris ces choses? How many have understood so far? Il y aura une position en Christ. There will be a position in Christ. Dieu va placer quatre pions. God is going to place four people or four pour le temps de la fin. For the end of time. Lisons frère Branham. That's Frère Branham. Dans la prédication, reconnaître les jours et son message. In the sermon, recognizing the day, your day, and je vais sauter beaucoup de choses. I'm gonna jump a lot of things. Écoutez ce que Frère Branham avait. Listen to what Branham says. Après, on va terminer. And then we're gonna close. La Russie n'a sa 174. Russia. La Russie n'a sa place dans le monde. Russia's got its place in the world. Côté science. Scientific side of it. Et depuis tout au plus une quarantaine d'années. For more or less about 40 years or so. Vous savez, do you know, quand la première guerre mondiale a éclaté, when the first world war occurred, c'est-à-dire 1914-1918, meaning 1914-1918, ils ne faisaient pas le cas de la Russie. They didn't pay attention to Russia. Ce n'était qu'une bande d'ignorants. It was just ignorant people. Des espèces de gros Sumériens avec des barbes partout sur les visages. And with beard and all around all of them. Ils ne savaient pas distinguer leur droite à leur gauche. That did not even know their left and right. C'est exact. It's exact. La Russie. Russia. Mais. But elle a reconnu sa place. She recognized its place. Dites amen au prophète. Say amen to the prophet. Elle a dû le faire. And she do it. Pour accomplir l'écriture. To fulfill the scriptures. Oh, dites amen. Say amen. Vous êtes au courant de mes prophéties. You know my prophecy. Ce que j'ai dit arrive. What I say happened. Comment ils aboutiront dans le communisme. How they got to communism. Troisième vision de Frère Branham. The third vision of Frère Branham. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Il dit maintenant elle est au premier rang mondial.
Now, she leads the world pour les sciences. In science. Nous sommes très loin en arrière d'elle. We are way back behind her. La Russie côté science. Russia, scientifically. Et technologie militaire. And technologically, military technology. Ils sont plus loin que l'Amérique. They are way farther than America. Mais dites amen au prophète. Say amen to the prophet. Remarquez. Notice. Sautons l'homme et posons la même sautons ici. C'est comme cet incrédule, sautons rapidement. Let's jump quickly. La raison pour 170, c'est la raison pour laquelle. The reason why. La Russie a pris conscience de ce qu'elle était. Russia came to herself. Elle devait le faire. She had to. Comme Israël, just like Israel, devait rentrer dans sa patrie. Had to get into the homeland. Dieu devait pousser Israël à rentrer dans sa patrie. God had to drive Israel back to the homeland. Pour les trompettes. For the trumpets. Parce que les sceaux c'est pour l'église. Because the seals is for the church. Les trompettes c'est pour Israël. And the trumpet is for Israel. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Dieu a poussé Israël à rentrer. God had drive Israel back dans la patrie pour les trompettes. For the trumpets. Et même Dieu devait pousser la Russie au communisme là-bas. And so did God had to drive Russia up there in the communism. Pour qu'elle fasse précisément ce qu'il avait été prophétisé à son sujet. To do exactly what has been prophesied she will do. C'est quoi? What is that? Bombarder les États-Unis to explode America et l'Amérique. And the Catholic Church. Remarque. Notice. Fabanali, voyez-vous? What Abraham says. Voyez, see, Israël au cours de ces 20 dernières années, 180, sautons rapidement. Let us jump quickly. Israël au cours de ces 20 dernières années, ils ont reconnu quelque chose. Israel in the past 25 ils avaient été ramenés à la patrie telle que promis. Has brought back to the homeland. Ils ne savent pas comment la chose a pu s'accomplir. They don't know how it was. Ils ont souffert au possible les martyrs tous les trompettes. They suffered like every martyr under their mais trumpets. Ils sont dans leur patrie. But they are in their homeland. Pourquoi la Russie a-t-elle été réveillée? Why did Russia wake up? Pourquoi les nations sont-elles réveillées? Why did the nations wake up? Pourquoi l'homme a atteint ses réalisations? Why has man been able to achieve? Sautons rapidement pour gagner du temps. Let us quickly jump to gain time. Branham dit. Branham says. Maintenant. Now. Au même moment, 185, j'aime ça. 187. L'épouse. Suivez, ne manquez pas. Now, I love this. The bride. A reconnu la lumière du soir. Recognize the evening light. Elle vient de commencer à reconnaître. She now recognizes. Gagnons du temps. Amen. Let us gain time. Oh, the vivant de Branham. During the living of the Branham. Quand vous lisez cet enseignement-là. When you read the teaching. Reconnaître les jours et son message. Recognizing a day and his Branham message. Cite là quatre acteurs. Branham there is mentioning four actors. Qui vont se réveiller. That will awake. Reconnaître qui ils sont. Recognize who they la are. La plus grande puissance. What is power? C'est de reconnaître qui tu es. Is to recognize who you are. Par rapport à la prophétie. In line with the prophecy. Il y aura quatre acteurs. There will be four main actors. Qui vont reconnaître. That will recognize. La Russie. Russia. Les États-Unis et le Conseil œcuménique. United States and the Ecumenical Councils. Israël. Israel. Et l'épouse. And the bride. Remarquez. Not chacun va reconnaître ça. Each one must recognize it. Ne manquez pas ça. Don't miss this. Pour que le monde arrive à la fin. For the world to reach to the end. Dites un grand amen. Say big amen. Premièrement, first of all, ce serait le réveil de la Russie. It will be the revival of Russia. La Russie a reconnu sa place. Russia recognizes its place. Il est le premier numéro un. She's number one. Du côté technologie militaire. On the military technology. Les trois ils ont les armes hypersoniques. And they've got hypersonic weapons. Les S-400, les radars. They've got S-400, the radars. Ils ont les Saturn II. They've got the bomb called Saturn II. Les trois ismes qu'on a étudiés sur les crapauds. The three isms that we learned on the front. Le communisme, les fascismes et les nazismes sont devenus un. Le communisme. Communism, fascism, nazism became one. Un instrument que les mains de Dieu. A tool unto God's hand. Dites amen. Say amen. Par la fabrication des bombes là. By making the bombs. Afin de bombarder le monde. To destroy the world. Et la bête. And the beast. Parce que les bombes de la Russie. Because the bomb of Russia. C'est ça le feu de Malachi 4. That is the fire which the Bible spoke of in Revelation chapter. In Malachi chapter 4. C'est elle, les trois esprits impurs de crapauds. Those are the three impure frog spirits. Dans les formes politiques. In the political form. Regardez, Branham dit, ils reconnaîtront leur place. Notice, Branham said they will recognize their place. Regardez ce qu'ils ont. Look at what they have. Ils ont des missiles. They've got missiles. Hypersoniques. Hypersonic. Regardez les missiles qu'ils ont. Look at the missiles. Ils ont des radars 400. They've got 400 rounds. Their radar 400. Ils ont Saturn II.
They've got a bomb called Saturn II. Cette bombe, this bomb, peut détruire le monde entier dans 2 secondes. They say this bomb can destroy the entire world in 2 seconds. Pourquoi? Why? Elle a reconnu sa position. She recognized its position. Or, qui leur a donné l'onction là? Who gave them that anointing? C'est le message de Frère Branham. It's the message of Brother Branham. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Elle est devenue puissante. And she became powerful. Sur les bombes atomiques. On atomic bomb. Ils ont Satan 2. They've got Satan 2. Ils ont les missiles S-400. They've got the missile S-400. Elle est devenue très puissante. And Russia became very powerful. Elle a reconnu sa place. Because it recognized its place. Pour jouer le rôle. To play the role. De bombarder. To bomb. Selon la prophétie. According to the prophecy. Qui peut dire amen? Who can say amen? Deuxième acteur. Second actor. Israël. Israel. Bref, Israël aussi a reconnu, amen. But Bible says Israel also recognized. Ils étaient dispersés au temps de Jésus. They were scattered all over in the time of Jesus. Mais Jésus est venu dans Matthieu 24. But Jesus said in Matthew 24. Quand les figuiers bourgeonnent, when the fig tree will bud, cette génération ne passera pas. That generation will not pass. Israël aussi a reconnu sa place. Israel also recognized its place. La Première Guerre mondiale, the First World War, qui est le premier malheur, who's the first war, 14 à 18, 14 to 18, donna à Israël, gave to Israel, un foyer en Palestine. Household in Palestine. La Deuxième Guerre mondiale, the Second World War, 40-45, l'air donna une nation. Gave them a nation. En 1946, and in 1946, Israël est devenu une nation. Israel became a nation. Le même jour, le soir, that very same day at night, l'ange a visité William Branham. The angel visited William Branham. Qui peut donner un amen? Who can say big amen? Il lui a envoyé avec la commission. Sending them, giving them the commission. Israël est retourné dans sa patrie. Israel went back into land. Il est devenu une nation puissante. It became a powerful nation. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Ils ont récupéré Jérusalem. They took back Jerusalem. Dans la guerre de 1967. In the war of 1967. Et Trump vient de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. And Donald Trump recognized Jerusalem as the capital city of Israel. C'est qu'Israël attend. What Israel is not waiting for. Ramène-moi, c'est de bombarder la mosquée d'Omar. Is to explore that mosque of Omar. Israël détruira la mosquée d'Omar. Israel will demolish this mosque of Omar. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est ça l'abomination de la désolation que Jésus avait dit. This mosque is the abomination of the desolation which Jesus spoke about. Construit dans le lieu saint. Which is built in a holy place. Nous, on ne maudit pas Israël. That's why we do not curse Israel. Bénissez Israël. You must always bless Israel. Et Dieu vous bénira. And God will bless you. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Israël va détruire cette mosquée. Israel will demolish this mosque of Omar. Parce que because ils ont reconnu, ils ont devenu nation. Ils reconstruiront le troisième temple. They recognize it and they become a nation. They will rebuild the third temple. Le conseil ecumenique leur amène là. The ecumenical council will bring them into. Alors Élie et Moïse. And then Elijah and Moses. Selon Apocalypse 11. According to Revelation 11. Apparaîtront. Will appear. Pour faire sortir Israël. To bring Israel out. Et Dieu scellera les 144,000. And God will seal the 144,000. Ça c'est après l'enlèvement. That is after the rapture. C'est pourquoi remarquez le mystère, ne manquez pas ça. Now, don't you en miss 1917, this. Now, in 1917, dans la Première Guerre mondiale, in the First World War, qui est la le premier malheur, with the first war, le général Allenby, the General Allenby, c'était un Anglais, it was in English. Israël était entre les mains de l'Empire ottoman, les Turcs. Israel was on the hand of the Turks. Allenby, un protestant, est arrivé là-bas. Allenby actually was protestant. Allenby, comme il était un chrétien, the Bible, the prophet says, as Allenby was a prophet, il dit, je ne peux pas bombarder Jérusalem. He says, I cannot explode Jerusalem. Là où mon Seigneur était mort, where my Lord was il a appelé le roi de l'Angleterre. He says, he called the king of England. Allenby, le roi lui a dit, prie. The king told him, pray. Quand il a prié, when he prayed, est-ce que vous me suivez? Are you following me? Il a dit à ses militaires dans les avions, he said to the military in the plane, sillonnez la ville. He says, go all over. Et commencez à crier, Allenby arrive. And start shouting, Allenby is coming. Quand ils ont crié, and when they shouted, Branham, les musulmans ont entendu comme si Allah arrive. Branham says, the Muslims heard as if they were shouting that Allah is coming. Dieu a changé son cri. God changed the shout. Dieu peut changer tout en toi. God can change everything in you. Dieu peut changer tes ennemis à se soumettre à toi. God can change your enemy to be submissive to you.
Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Ils ont déposé les armes. They dropped the weapons. Et Allenby est descendu. And then Allenby came. Il a pris Jérusalem. Took Jerusalem. C'est ici en 1917. It is there in 1917. Et il a commencé à ramener quelques Juifs. And he started bringing back some Jewish. Jusqu'à ce que les Juifs rentrent comme Jésus avait dit. Up until the Jewish were going back. Les figuiers bourgeois. Jesus said that the fig tree is budding. En 1946. In 1946. Israël est devenu une nation. Israel became a nation. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Maintenant, Branham va prêcher. Now, Branham will preach again. 70 semaines de Daniel. The 70 weeks il of Daniel. Il dit Israël est dans sa patrie. He says. Israel is in its homeland. Ne manquez pas ces églises. Don't you miss this on Il y a trois choses. There are three things. Jésus, Jesus, a dit ça dans le temple. Said it in the temple. Dites amen. Say amen. Oh, dites amen. Say amen. Dans la ville de Jérusalem. In the city of Jerusalem. Et en Israël. And in Israel. Quel sera le signe de ta venue? What will be the sign of your coming? Et de la fin du monde. And the end of the world. Il dit, he says, le temple ici sera détruit. The temple here will be destroyed. Dit un grand man. Say big amen. Et Jérusalem sera détruite. And Jerusalem will be destroyed. Et vous serez chassés. And you'll be chased. Vous irez dans toutes les nations. You will go all over the nations. En l'an 70, in the year 70, Titus a détruit le temple. Destroyed the temple. C'était le 11 septembre. It was the 11th of September. C'est quoi les mauvais événements arrivent le 11 septembre, comme le détour du jumel. That's what bad events usually happen the 11th of September, just like the Et il a détruit Jérusalem. He destroyed Jerusalem. Et les Juifs sont partis partout. And then the Jewish went all over the world. Comment ils retourneront? Quand ils retourneront? How will they return? When Jésus they return, ce serait le signe de la fin du monde. Jesus said it to be the sign of the end of the world. Comment ils vont retourner? How are they going to return? Remarquez la destruction, le temple. Notice the destruction, the temple. Dites amen. Say amen here. La ville, the city, et le pays. And the country. Quand Dieu reconstruit, fait l'inverse. When God is rebuilding, it go upside down. Il reconstruit le pays. He built the country. Depuis 1917, since 1917 jusqu'à 46. Up until 46. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Ça allait rester la ville. They were left only with the city. Du vivant de Branham. During the living of Branham. Branham a prêché 70 semaines dernières. Branham preached the sermon the 70 weeks of Isaac that. Et Ismaël se battent pour Jérusalem. He says, Isaac and Ishmael are fighting for Jerusalem. Il dit ainsi dit le Seigneur. He says, that said the Lord. Isaac reprendra Jérusalem. Isaac will take over Jerusalem. Et quand frère Branham est mort en 65, when Branham died quand in on a enterré en 66, when he was buried l'année 67, the year 67, il y a eu la guerre de 6 jours. There was a war of 6 days. Le général Moshe Dayan, the general Moshe Dayan, le général Isaac Rabin, the general et le général Uzi, general Uzi ont repli Jérusalem. They took back Jerusalem. Selon les paroles de William Branham. According to the word of William Branham. Oh, qui peut dire amen? Who can say amen? Maintenant, now, ils n'ont pas détruit le temple. They did not destroy the temple. Remarquez, c'est 50 ans après 1917. Now, notice, 50 years after 1967. En 1967. In 1967. C'était le jubilé pour eux. It was the jubilee for them. Ils prennent Jérusalem. They took Jerusalem. 50 ans après. 50 years after. 2017. 2017. Un grand événement a eu lieu. A great event happened. Un président américain du nom de Trump. An American president by the name of Donald Trump. Trump vient de trompette. Trump, which means trumpet. Et il est le 45e président. And he's the 45th president. Et dans Isaïe 45. And in Isaiah 45. Là, on parle de Cyrus. Where they speak about Cyrus. Qui soutenait Israël. That was supporting Israel. Lui, il a soutenu Israël. He supported Israel. Il a signé un pacte. He signed an agreement. Que il reconnaît Jérusalem officiellement. That he is officially recognizing Jerusalem. Comme la capitale d'Israël. As the capital city of Israel. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Regardez, qu'est-ce qui reste pour Israël? Notice, what is left for Israel? Ils ont le pays. They have got the country. Dites un grand amen. Say amen. Ils ont la ville. They've got a city. Ce qui les reste, what is left for them? C'est la reconstruction du temple. It's the reconstruction of the temple. Et ils ont déjà la maquette, ils ont tout. They've got already the blueprint of what they will Ils ont rebuild. Même les conseils de Sanhedrin. They've got even the council. Ils ont retrouvé la vache rousse. They found the red heifer. Ils attendent seulement pour reconstruire. They are only waiting for them to rebuild. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Oh, frère Branham a dit. What is Branham saying? Quand ils auront le kit dans le temple.
When they will have their service Merci in the temple, et quand ils vont reconstruire, and when they will rebuild, il dit, l'épouse sera déjà partie. The bride will be already gone in the rapture. Il dit, ainsi dit le Seigneur. That said the Lord. Israël reconstruira le temple. Israel will rebuild the temple. Quand ils auront le culte dans le temple, when they will have a service in the temple, l'épouse sera partie. The bride will be gone into the rapture. Nous irons au ciel pendant 3 ans et demi. We will go to heaven for 3 years and a half. Et le monde sera dans la tribulation. And then here on earth, the world will be in the tribulation. Et Élie et Moïse, and then Elijah and Moses, apparaîtront, will appear, pour appeler les 144 000, call forth the 144,000, de sortir du culte dans le temple, come out of the services in the temple. Et il leur dira que Jésus que vous avez crucifié, you tell them that the Jesus that you have crucified, c'était lui le vrai agneau, was him the true lamb, c'était lui le vrai temple, was the true temple. Et 144 000 seront scellés du Saint-Esprit, will be sealed with the Holy Spirit. Qui peut dire amen? Who can say amen? Nous sommes prêts pour ça. We are ready for it. Comment peut dire amen? How many can say amen? Troisième acteur. The third actor. On a dit les États-Unis. But what I'm saying is, et l'Église catholique. C'est-à-dire la bête et l'image. Meaning the beast and the image. Jezabel et Akab. Jezabel and Ahab. Ils vont imposer la marque de la bête. They will impose the mark of the beast. Personne ne pourra ni acheter ni vendre. Nobody will be able to buy. Ce sera un problème économique. It will be an economical si problem. Si tu n'as pas la marque sur le front. If you do not have a mark on the forehead. Et sur la main. And on your hand. Voyez ça, c'est qu'ils ont imposé à la Russie là. Now you see what they imposed in Russia. Ce n'est que les coups d'avant. It's only a pretest. Je vois le monde entier, nous allons vers les cartes. That's why the entire world you are going toward that card. Aujourd'hui en Russie, tous les cartes ne fonctionnent plus. Today in Russia, all their card, bank cards are not working. Qui a imposé ça? Who imposed it? C'est les États-Unis. It's the United States. Ceci est l'accomplissement. This is the fulfillment. Et personne ne pourra ni acheter ni vendre. Of the scripture that says nobody will be able to buy nor si sell. Si tu ne veux pas faire comme eux. If you don't want to do like them. Parce que les trois religions là. Because the three religions. Le judaïsme. Judaism. Le protestantisme. Protestantism. Et le catholicisme. And the Catholic. Deviennent un. Become one. Par l'esprit de crapaud. By the spirit of frog. Pour imposer. To impose. La marque de la bête. The mark of the beast. Qui peut dire un grand merci? Who can say big amen to that? Dites un grand merci à ça. Who can say big amen? Voyez-vous comment nous sommes à la fin? Can you see how the world is? Mais il y aura le quatrième acteur. But there will be a fourth actor. Et la dernière. And the last. Mon ami, en ce moment-là. The prophet says, at that moment. Réveillez-vous. Wake up. Quand la Russie reconnaît, il devient puissant. Recognizes and becomes powerful. Il est placé. It is blessed. Pour bombarder le monde. To explode the world. Dites amen. Say amen. Israël est devenu une nation, il veut reconstruire. Israel became a nation and want to rebuild. Il reconnaît sa place. Recognizes its place. La marque de la bête reconnaît sa place les États-Unis. The mark of the beast recognizes its place in the United States and all. Il y aura aussi un autre acteur. There will be another actor. Une vraie actrice. A true actor. Bon ami, l'épouse. The bride says the bride. Reconnaîtra la lumière du soir. We recognize the evening light. Oh, j'aime la parole. I love the word. C'est pourquoi de son vivant il a dit. That's why during his living he il says. Il commence. He says, she is starting. À comprendre la lumière. To understand the light. Parce qu'il avait dit de mon vivant. Because during my living, he said. Beaucoup ne comprendront pas. Many will not understand. Mais quand je partirai. That when I will be gone. Dieu suscitera des auxiliaires. God will raise auxiliaries. Ils donneront la vie à ces citations. They will give life to this quotation. Ils prêcheront ces photos. They will preach these pictures. Et l'épouse comprendra. And the bride will understand. Et il avait encore dit. And he said again. L'Amérique m'a rejeté. America rejected me. Mais mon message arrivera chez les noirs de l'Afrique. My message will reach the end of Africa. Il dit, ce sont les Africains. He says it's Africans qui reconnaîtra mon message. That will recognize my message. Il dit après mon départ. He says after my departure. C'est pourquoi frères et sœurs. That your brothers and sisters. Il y a ici plus que Neville. A greater than Neville is here. Il y a ici plus que Levi. A greater than Levi is here. Il y a ici plus que Sotman. A greater than Sotman is here. Je peux dire quelque chose qui va vous scandaliser. Can I say something to scandalize you? Il y a ici plus que Branham Tabernacle du temps de Branham. There is a greater than Branham Tabernacle in the temple of Branham here. Parce que Branham avait dit. Because what Branham said. Ceux qui sont avec moi. Those that are with me. Ne comprendront pas.
will not understand. Mais quand je partirai, but when I will go, quand mon message, when my message arrivera aux extrémités de la terre, will reach the end of the earth, c'est-à-dire l'Inde et l'Afrique, which means the India and Africa, il dit dans les jungles de l'Afrique, it says in the jungle of Africa. L'Afrique du Sud n'est pas le jungle de l'Afrique. South Africa is not the jungle of Africa. Parce que l'Afrique au sud c'est le désert. Because Africa in the south is desert. Au nord c'est le désert. And the north is the desert. Mais le jungle. But the jungle. C'est le bassin du Congo. It's the Congo. C'est ça le détail. Those are the details. Il dit dans les pays où il y a des fleuves. It says the country where there are rivers. Là où il y a les gens robustes. Where there are strong people. Quand mon message arrivera, when my message will reach, il y aura le réveil de la dernière dynamo. There will be a revival of this last dynamo. Tu vas dire, j'ai vu ma réunion de Durban. But I say, I saw my meeting of Durban. C'est passé dans l'histoire. It went through history. J'ai vu une nouvelle réunion. I saw another meeting. J'ai vu des jeunes gens. I saw young people. Et des jeunes filles belles. And young beautiful girls. Ils avaient les mains levées. They had their hands up. Ils écoutaient la parole. They were listening to the word. Quand je regardais, when I looked, étaient tous des blancs. Were they all white? Il dit non. He says no. J'ai vu la grande race noire. I saw the great black race. Il dit en ce moment-là, and at that moment, j'ai entendu quelque chose. I heard something qui avançait. That was moving forward. Comme une dynamo. As a dynamo qui tourne. That turns. Il y a aucun démon de l'enfer. There is no demon from hell qui peut arrêter ce réveil. That will stop this revival. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something? Si les paroles de Branham, if the words of Branham, a réveillé Poutine, awoke Poutine, Poutine ne prie pas, Poutine doesn't sleep, mais les pray, paroles prophétiques, but the prophetical words, l'a placé à sa place, place Poutine at his place. Les paroles prophétiques, prophetic words, ont ramené Israël, brought back Israel. Les paroles prophétiques, the prophetic words, ont ramené la marque de la bête, brought back the mark of the beast. Je suis sûr, I am sure, moi qui prie, him that prays, toi qui prie, you that pray, chaque parole de William Branham, each word of William Branham, sur l'épouse, upon the bride, ça s'accomplira, will come to pass, ça s'accomplira, will come to pass. Il y aura le réveil de l'épouse, there will be a revival of the bride. L'épouse va se réveiller, the bride will awake. Elle va porter la robe, she will wear on the garment. C'est une épouse parole, it is a bride word, habillée en parole, word or dressed in word. Une épouse sans tache, spotless bride, ring, without wrinkle. Quand il y aura une épouse parfaite, the prophet says that the perfect bride. Aucun démon n'arrêtera ça. No demon will stop this. Je suis ici pour vous dire. I am here to tell aucun you. Aucun démon ne peut t'amener en enfer. No demon can bring you to hell. Tu es l'épouse. You are the bride. Tu es la madame choisie. You are the chosen madam. Tu es parfaite. You are perfect. Quand il y aura cette épouse, when Abraham says that bride, elle sera la seconde Ève. Will be the second Eve. La seconde Ève ne tombera jamais. The second Eve will never fail. La première Ève était tombée. The first Eve had fallen. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Because she never had the knowledge. Mais la seconde Ève. But the second Eve. A la connaissance de la parole. Has got the knowledge of the word. Béni soit la seconde Ève. Blessed be the second Eve. Cette épouse sera Sarah. This bride will be Sarah. Sarah avait douté. Sarah doubted. Mais cette épouse. But this bride. N'a pas douté. She never doubted. Elle a vu Elohim. She saw Elohim. Christ incarné. Christ incarnated. La parole fait chair. The word made flesh. C'est ça l'expiation. That is the atonement. Cette épouse a cru. This bride believed. Elle est en train de changer. And she is changing. Comme Sarah était changée. Like Sarah changed. Pour avoir le fils promis. To see the promised son. Cette épouse a la translation. This bride has got a translation. Recevez votre translation. Receive your translation. Cette épouse. This bride. Elle est la Rebecca. She is a Rebecca. Elle est choisie par Eliezer. She is chosen by Eliezer. Ira-tu avec Eliezer? Will you go with Eliezer? Oui. Yes. Eliezer c'est Branham. Eliezer it's Branham. Mais quand Eliezer a conduit Rebecca? But when Eliezer led Rebecca? Un jour. One day. Isaac a quitté la maison de son père. Isaac left the house of his father. Rebecca a dit. Rebecca said. Qui est cet homme? Who is that man? Qui vient à notre rencontre? That is coming to meet us. Eliezer l'a dit. Eliezer told her. C'est Isaac. It's Isaac. C'est la même chose. It's the same. En 63, in 1963, Branham Eliezer nous a montré Isaac. Show us Isaac. Voici son nez. Behold his nose. Voici sa bouche. Behold his mouth. Nous nous préparons pour la rencontre. We are making ourselves ready to meet.
Elle ne tombera jamais. She will never fail. Cette épouse, this bride, sera Rahab. Will be Rahab. Bénie soit Rahab la prostituée. Be Rahab, the prostitute. Il a reçu les espions. You received the Il a appliqué les signes. And she applied the token. Quand nous voyons ces choses, when we see these things, appliquez les signes. Apply the token. Rahab. Quand Jéricho était tombé, when Jericho had fallen, sa maison était protégée. Her house was protected. Ta maison sera protégée. Your house will be protected. Qui peut dire amen? Who can say amen? Tu es Rahab. You are Rahab. C'est pourquoi il faut chanter comme à Jéricho. That's why you must sing like Jericho. Nous chantons pour la gloire de l'agneau. We are singing for the glory of the Lamb. Nous ne sommes plus la prostituée. We are no longer a prostitute. Nous sommes rachetés. We have been redeemed. Cette épouse, that bride, sera Ruth de la Moabite. Will be Ruth the Moabite. Elle était adoratrice des idoles. She was a worshipper of idols. Mais Boaz, but Boaz, l'a rachetée. Redeemed her. Naomi a dit à Ruth, Naomi said to Ruth, cherche là où dort Boaz. Find where Boaz sleeps. Pas chercher Boaz. Not look for Boaz. Cherche là où dort Boaz. But look for where he sleeps. Boaz c'est Jésus-Christ. Boaz is Jesus Christ. Mais là où il dort, but where he sleeps, là où il dort, where he sleeps, c'est incarné. It is incarnated. Dans Malachi 4. In Malachi 4. Qui peut dire amen? Who can say amen? Ruth est la femme de Boaz. Ruth, the wife of Boaz. Nous sommes Madame Jésus. We are Mrs. Jesus. Même puissance. Same power. Même vie. Same life. Même manifestation. Same manifestation. Oh, il y a ici plus que Ruth. A greater than Ruth is here. Cette épouse, this bride, sera Tamar. Will be Tamar. Tamar dit, si tu veux me condamner, Tamar, if you want to condemn me, avant de me tuer, Judas, before you kill me, qui est le propriétaire, who is the owner, de ces bâtons, of this stick, et de ces seaux, and these seals, et aucun démon de l'enfer, no demon from hell, ne peut vous condamner, can condemn you. Qui est le propriétaire de ces sept seaux? Who is the owner of the seven seals? Qui est le propriétaire de ce message? Who is the owner of this message? Oh, Tamar a été béni. Tamar, you are blessed. Cette épouse, this bride, elle est la reine de Seba. He is the queen of Seba. Jésus a dit, Jesus said, la reine de Seba se lève. The queen of Seba shall rise. Avec beaucoup de richesses. With a lot of wealth. Quand vous croyez ces choses, when you believe these things, le temps de la pauvreté est terminé. Is over. Recevez la richesse. Receive riches. Parce que toi, because you, tu es la reine du sud. You are the queen of the south. Tu dois se lever. You must rise. Le problème avec Amen Tabernacle. The problem with Amen Tabernacle. Réveillez-vous. You must awake. Quand tu te réveilles, when you awake, tu es la reine de Seba. You are the queen of Seba. Tu auras tous les moyens. You have all pour amener ce message au loin. To bring this message from afar. Béni soit la reine de Seba. Blessed be the name of cette the queen épouse, of this bride, sera Marie Omega. Will be Mary Omega. Marie la Vierge. Mary the Virgin. Je te salue Marie. I greet you Mary. Marie ne doute pas aux paroles de l'ange. Mary doesn't doubt the word of the angel. Marie a dit à l'ange, Mary said to the angel, jouez-moi le piano. Play the keyboard. Qu'il me soit fait. He says, let it be unto me. Selon ta parole. According to your word. Et l'ange du Seigneur est venu. And the angel of the Lord came. Le messager est venu. The messenger came. Chaque chose que Branham a dit, each thing that Branham said, nous ne doutons pas. We do not doubt. Nous disons qu'il ne soit fait. We say, let it be done. Selon le message. According to the message. Même si ça me condamne. Even though it condemns me. Même si ça me détruit. Even though it destroys me. Mais je dis, but I say, qu'il me soit fait. Let it be done unto me. Le temps est arrivé. The time has come. La Russie a reconnu. The Russian recognized. Qui peut dire amen? Who can say amen? Israël a reconnu. Israel recognized. La marque de la bête a reconnu. The mark of the beast has been recognized. Toi, tu dois reconnaître. You must recognize. Je reconnais. I recognize. Que je suis l'épouse. That I am the bride. Je suis l'épouse. I am the bride. Je suis l'épouse. I am the bride. Mets-toi debout là où tu es. Stand where you are. Reconnais qui tu es. Recognize who you are. Est-ce que tu reconnais ce matin? Do you recognize this morning? Avec nos mains levées. As we lift up our hands. Seigneur. The Lord. Je reconnais. I recognize. I bless your name. Je bénis ton nom. I bless your name. Je reconnais aussi. I recognize also. Que en moi. That in me. Je suis l'épouse. I am the bride. Avec nos mains levées. As you lift up our hands. Sa présence est là. His presence is here. C'est le temps de reconnaître. It's the time to recognize. Tu es le quatrième acteur. You are the fourth. I bless your name.